I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty handed. And you know that I know that I can't live without you, so baby stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay, need you to stay.
me. Alors déjà, bonsoir. Merci Websplay, merci beaucoup pour l'abonnement offert. Comment vous allez bien? Attendez, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oh, j'ai cru qu'il n'y avait pas de micro, je voyais pas le truc. Comment vous allez bien? Bonsoir à tous. Merci beaucoup Websplay. Putain, je sais pas parler. Comment vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon jeudi? Coucou June, bonsoir CC, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Merci Rosa, OMG. 5 mois, c'est la dinguerie ça. 5 mois. Comment vous allez bien? Oh, vous êtes trop chou, merci beaucoup. Merci d'être là, mes lunettes sont dégueu. Est-ce que... Attendez, vous entendez la musique, hein? Oui, oui, je vous ai vu danser dans le chat, c'est bon. Ok, parce que moi, je l'entends pas très fort. Okay. Voilà, c'est mieux. La culotte derrière, je... Ah, j'ai essayé, j'ai été ingénieuse, hein. Je l'ai étendue, voilà, en mode petit fil à linge. C'est coincé... C'est ma première sur le pyjama de toute ma vie. Le train de la hype à destination du mont Capons va entrer en gare voie 10. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Merci infiniment, mais madame, messieurs, mes nonglères, laissez-moi arriver. Merci à vous. J'ai l'impression que le son n'est pas fort comparé aux alertes. Bah ouais, je vais monter un peu le son sur Spotify, t'as raison. Et je vais baisser le son global d'OBS. Là, ça, c'est quel son? Mais attends, mais rien n'est fort, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, attendez. Oh là, c'est mieux, là, vous m'entendez mieux. Mes amours de ma vie, mes lumières dans la nuit, mes soleils de midi. L'utile! Vous êtes trop chou. Coucou Yélé. Coucou Valky. Oui, on t'entend tout bas. Bonsoir Rouge. Vous êtes trop chou. Oh, je te comprends Camille. Je te comprends. Gros câlin si consenti Camille. J'avoue que je suis pas dans... Cette semaine, je vous l'ai dit, c'est compliqué. Je suis pas trop dans le mood fête. Mais j'avais envie d'être avec vous et je savais que le mood fête allait venir quand j'allais vous retrouver. Comment vous allez bien? Merci infiniment pour les resubs et pour les subs offerts. Vous êtes trop chou. Merci Skaripa pour le lurk. Je pouvais pas laisser passer le train de la hype. Merci beaucoup Valky. Merci infiniment. Merci Websplay, OMG. Merci pour Blue Espoir. Merci infiniment. Et coucou Tartosa. C'est trop chou. On est enfin en février. Putain. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur une bonne voie? Je l'espère. Vraiment, je l'espère. Merci Morgane. Pas me dire oui, BG. Bisous à toi, BG. Bisous. Mais qu'est-ce que vous faites, mes dripsy? Mais enfin, voyons. Mais c'est pas possible. Merci pour Rubiscuit. Mais vous êtes trop chou. Merci infiniment. C'est la chaîne du love. Vous êtes trop adorable. Merci beaucoup. C'est parce qu'on est en février, ça y est, j'arrête de déprimer. Ouais, c'est ça. C'est ça, on a changé de mois, les gars. C'est bon. Tout est oublié. Attendez, parce que là, du coup, moi, c'est fort, là. Je vais y arriver hein, avec mes réglages de son, vous inquiétez pas. Ça va être farpé. Alors, du coup, ce soir, on se retrouve pour un tout nouveau jeu sur la soirée pige. On va essayer de pécho des darons. A priori, on est un daron et on essaie de pécho des darons, si j'ai bien compris. En tout cas, Céline, elle a dit que c'était fire, que c'était trop bien sur le Discord, j'ai vu ça. Donc voilà. Par contre, j'ai vu que c'était... j'avais pas vu, je l'ai acheté comme ça sur Steam et tout. Et après, je me suis rendu compte, en fait, c'était que en anglais. Je l'ai même pas lancé le jeu, j'ai vu ça sur la fiche produit sur Steam. Du coup, bon, en théorie, vas-y, c'est un jeu où on pécho et tout. Ça devrait pas être très très dur à comprendre slash à traduire. Je devrais y arriver. Je vais lancer le jeu.
J'ai hâte de voir. A priori, il y a plusieurs styles de daddy et tout. Je sais pas si vous avez vu la photo. Merci, Elenoun. On renaît de nos cendres à Wish. Hein. J'avoue. Oui, on renaît de nos cendres et on balance les beats pour pêcher des daddies. Ils sont English, Rosa. OMG, incroyable. Incroyable. Je voulais vous parler de ce qui se passe en dessous. Là, putain, il est super gros le sub-goal. Attendez, on va se calmer un peu. J'ai fait un petit truc. J'allais dire, c'est un jeu. C'est pas du tout un jeu en vrai. Mais c'est un nouveau moyen. C'est pas non plus un nouveau moyen. Je sais pas comment expliquer ça, vous allez comprendre. Ou en fait, j'avais envie de vous présenter un petit peu des sub-goals. Mais Sacha House, merci infiniment pour les 5 subs offerts. Mais. On a appelé Daddy. Mais qu'est-ce que tu fais là? Merci beaucoup. Mais enfin, voyons. Mais. Mais. Vous. Mais vous êtes crazy ce soir. Elle a raison, Rosa. Rosa Shrek. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, pour le mois de février, j'avais envie de proposer des sub-goals un peu différents. Et du coup, je voulais vous montrer, en gros, là, vous pouvez voir déjà le premier, c'est une watch party avec Prime, où on pourra du coup regarder un film ou une série de votre choix. et on choisira ensemble et puis on regardera directement ensemble sur Prime, sur Twitch, c'est tout à fait possible et légal. Donc on se fera ça, c'est le premier sub-goal de la liste. Et comme vous pouvez le voir, il a 30 abonnements. Et merci Miri, mais OMG, merci pour Marjox in the Flox, merci beaucoup, vous êtes trop chou. Par contre, le chat est illisible en blanc, je suis en train de capter ça, vous me dites rien, mais je vais changer la couleur. Mais merci infiniment. Attendez, où est-ce que je change la couleur en... Je sais plus. Bref, c'est illisible sur cet écran-là. Vous m'avez rien dit, hein. Attendez, je regarde ça après. Saltburn sur Prime. Je connais pas du tout. Oui, seuls les gens avec Prime peuvent participer, par contre. Oui, c'est ça. Après, vous êtes tellement nombreux à avoir Prime que je me suis dit que ça serait... Ça serait pas mal. Je suis mort, j'étais pas sub et j'ai offert des subs. c'est tellement chou. Merci beaucoup. Merci, merci. Et du coup, regardez, ça sera comme ça pour... mais attendez, moi, ma souris, elle marche pas. Ah, c'est... Ça sera comme ça pour ce mois-ci. Donc, vous avez la... C'est de ce côté-là. La watch party qui a été déverrouillée. Et une fois que vous aurez atteint les 30 nouveaux subs, vous pourrez voir le deuxième sub goal à atteindre. Je sais pas si vous voyez bien. Au pire, je cache le chat puisqu'il est illisible, après tout. JPP. Et du coup, voilà pour ça. Ça sera comme ça. Et après, quand vous aurez débloqué celui-ci, eh bien, vous pourrez voir ce qu'il y a là. Et une fois que vous aurez aussi débloqué les nouveaux abonnements, vous pourrez voir celui d'après, etc. Ah ! En effet ! Ah ! Et du coup, comme ça, je trouvais ça rigolo. Ça permet de garder un petit peu de suspense. Hein. Coucou Mathilde, comment tu vas ? Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ce mois de fou, en fait, qui commence là. Vous êtes trop chou. Merci infiniment. 10 minutes de stream, ça, bah ça va Shrek. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai loupé un truc. T'es trop mime, Rosa. Je suis plus belle en beige du coup. Mais là t'es beige, Juice, hein. Moi je te vois beige. Comment vous allez bien? Tout ce qui arrive. Voilà du coup pour le petit truc là des sub-goals. Je trouvais ça rigolo de faire un espèce de petit visuel comme ça à déverrouiller un petit peu par-ci par-là. Ça permet de... Un petit truc sympa, chic. Rosa, tu me fais trop rire. Tu me fais trop rire. Merci à vous en tout cas pour ce train de la hype niveau 4 en fait les gars. Bah bonjour déjà, bonjour. C'est Pécho du Daddy qui vous fait ça ou c'est comment? C'est la fête des bites et vous m'avez même pas invité. Vous m'avez même pas invité. Mais moi, je te voyais beige, hein, Juice. Je te vois beige depuis le début. Hein. Comment tu vas, Ever? Spécial cas dit... Ah, non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, Sacha, ça va aller. attendez, je vous rattrape. On est chaud. Mais wesh, arrête tes bêtises. OMG, vous arrêtez vos conneries. Non mais sérieux, Sacha, arrête ça. On est où là? Et Websplay. Oh, mais
Mais d'où? Mais à quelle heure? Tiens, on a une synchro. Bah là, oui, hein. Ça va pas bien. Merci infiniment, mais vous êtes trop chou. Mais c'est... Ça va très bien parce qu'on va pécho. Bah on espère, hein. On espère que c'est pas comme Soso, quoi. On espère qu'on va pécho. J'aime bien remplir les jauges aussi, c'est pas ma faute. Ah, c'est tempting, c'est ça. Ça me gêne pas, Dripsy. J'ai hâte de regarder un truc avec vous. Ce goal va arriver plus que prévu. Ouais, en théorie, ouais. C'est 6 goals pour le mois, hein, les gars. Pas pour une soirée, hein. Je décrochais en alternance. Attendez. Mais. Merci, Lily. Merci pour le prime. C'est trop bien que t'as décroché ton alternance, Mary. C'est trop, trop bien. Attendez. Mais donc, mais c'est quoi cette entrée en parlant de beat? Ouais, j'avoue, Lynn. J'avoue. Et oui, Momo, là, elle est pas là aujourd'hui, Coco, parce qu'elle a sa présentation. Vous savez, elle est en conférence. Et aujourd'hui... Ah, mais je suis ravie! Et aujourd'hui, elle présente. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Elle présente à la conférence, ça se dit, ça? Et du coup, c'est le jour où elle passe, elle, quoi. C'est pas le jour où elle regarde les autres faire leur présentation, c'est le jour où elle présente. C'est pour ça qu'elle est pas là aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas, merci infiniment. Mais comment ça, 22 sur 30, frère, ça va? Bah ça va, niveau 6 du train, là? Alors, merci en tout cas, merci infiniment, vous êtes trop trop chou, merci beaucoup. On va revisualiser la culotte, hein, et je vais ouvrir Dream Daddy, putain. On va soigner nos daddy issues ce soir, les gars, peut-être. The moisture tapo. J'adore le franglish à chaque fois. On est là pour cure nos daddy issues, putain, mais t'as dit la même chose, je hurle. C'est trop... On va voir, hein. La screen résolution. Graphiste, daddy, attends, qualité graphiste, graphic quality, dad, daddy, dadest, bah dadest, hein, display left, c'est quoi ces choix là dans le jeu, plus ou moins. Falky, c'est la première et dernière fois, j'y vais, t'es trop mieux, merci beaucoup. Ah mais il y a de la musique du jeu, attendez, faut que je coupe la playlist alors, OMG, wesh, par contre... On va se calmer. C'est fort aussi, vous, la musique du jeu, là. Frère, qu'est-ce que c'est que ça? Option. Volume. Alors, pécho des daddy, oui, avec cette musique. Streamer safe mode. Remove content copyright. Ah, je vais cocher. On n'est pas en streamer safe mode, nous? La musique de Chigal Over. On va pécho ou on va pas pécho? Attends, j'ai loupé. On est en pays bébou ou quoi? Ouais, a priori, ouais. J'ai bien l'impression. Ce qu'il y a pu voir, c'est un banger. C'est un banger, Lynn, le jeu? Je suis mort. Quelqu'un peut me dire c'est quoi le subgoal de dingo? Je veux savoir. Ouais, c'est Watch Party sur Prime. En fait, on choisit un film puis on regarde tout sur Prime. Hein. Sexy time, la musique. Je vais me fumer. Attendez, je vous mets l'écran. Ah! Là, voilà. New game. Ok, donc c'est en anglais, mais je vais vous traduire de mon plus bel accent. Bah non, parce que je vais parler en français, donc j'ai pas d'accent en fait. On a mis un pied sur le podium, vous êtes trop des stars. Hein. Trop des stars. Merci à vous en tout cas pour ce train de live niveau 6, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Alors, zzzz. Ok, ça dort. Dad, ça veut dire papa. Ça veut dire quoi? Peggy Bébou. Ouais, Holly Ever. Papa, réveille-toi. Hein. Se réveiller, faire semblant d'être mort. Encore 5 minutes. Ça, c'est moi tous les matins quand j'entends mon fils. Encore 5 minutes, je t'en supplie. Comme s'il les laisserait endormir. Tu as dit 5 minutes il y a 5 minutes. Hein. Ok, bah alors 10 minutes. Hein. Ça, c'est notre enfant. Merci beaucoup. Merci plus 1 de Capande. Mais non, je drague pas mon père, je suis un père qui va draguer d'autres pères. Websplay. Merci plus un de Capante. Rob a changé son pseudo. Rob a changé son pseudo. Voilà, je crois plus un de rouge que quelqu'un te copie. Voilà. Je suis mort. Comment ça? Putain, en plus je l'ai lu premier dog. Merci plus. Ah merde, non, attends, c'est mon mec. Oui, c'est Rob. Je suis mort. Écoutez, il en pouvait plus du fréco-robe, d'accord?
Il voulait changer. Et je le voyais taper plein de trucs. Il voulait un truc avec rhubarbe. Il n'a pas trouvé. Il est parti sur putain de capons. En toute originalité. Merci Laurine. Mais 400 bits. Mais bonsoir. Déjà salut, bonsoir. Salut. 400 bits, ça fait beaucoup. Je sais qu'on est en soirée pige, mais enfin quand même. Mais Tourquine. Mais Tourquinet, enfin voyons. Mais merci pour Okia, merci pour Efia, merci pour Namu, merci pour Pluton. Mais il vous arrive quoi ce soir? Mais les gars? Allez. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé, les gars, mais là, vraiment. Ça fait 20 minutes qu'on stream. J'ai mis un nouveau sub-goal. Vous l'avez pété en 20 minutes. Ça rechiale. Mais oui, ça rechiale. C'est beaucoup d'émotions, franchement. Bon, on va pas pécho de daddy, c'est ça? C'est la folie, là. Merci, Lutti. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. C'est... Je suis trop chiante à chialer, vas-y, je sais. Mais en vrai, cette semaine, c'est dur de fou, dur de fou. Et voir votre soutien comme ça, votre love, c'est... Ça n'a pas de... Ça me fait tellement du chaud au cœur, mais premier degré, tu vois. Merci infiniment, Ava. Mais je sais, Valkyrie, merci infiniment, ma Valkyrie. Merci à tous. Merci beaucoup. Je t'offre mes derniers. Mais heureusement que vous êtes là. Mais heureusement, vous n'avez pas aidé. Vous me sauvez, mais littéralement. Genre, vraiment. Je peux pas dire mieux. Merci à vous. Merci pour votre soutien et pour votre amour. Vous êtes trop chou. Mais les nouveaux. Merci infiniment, les gars, merci. Après, on pêchera des daddies tous les jours, hein, si ça vous fait autant d'effet. Hein. Ah. Tourquinet. T'as toujours pas de pyjama, en plus, c'est ça qui est fou, JPP. C'est ça qui est fou. Merci beaucoup. J'allais l'applaudir. D'habitude, Rouge prend les applaudissements. Elle m'a trompée ce soir. Merci beaucoup, merci à vous. Ah ! Merci ma vie. Merci ma soulmate. Bon, ok, bah je vous remets une jauge alors, s'il n'y a que ça. Alors attendez, parce que c'était celle-là. Donc vous avez débloqué la watch party. Donc ça veut dire qu'on va se choisir un petit film à se regarder. Voilà, on regardera ça tous ensemble sur Prime. Ça va être encore une soirée banger. Prévoyez le popcorn et on pourra commenter. Je sais pas s'il y a une espèce de télé-réalité sur Prime, un peu à la Selling Sunset, ça serait très drôle. On m'est passé devant, j'avoue. Et du coup, bah, vous avez débloqué ça, donc on regarde le deuxième. On pêche au déjà d'autres gens demain, je suis on fire. Oui, c'est vrai, je claque mes derniers bits pour vous. Merci, merci Ever. Moi aussi, je t'aime fort. Merci beaucoup. Sauf qu'il pécho sur Netflix, c'est possible. Non, pas Netflix. Malheureusement, Netflix, il n'y a pas l'accord avec Twitch, n'est-ce pas? Mais sinon, j'avoue que ça aurait été drôle, ça. Attendez, du coup, je vous montre le nouveau sub-goal que vous venez de débloquer. C'est la... Oups, attendez. C'est la Karaoke Night avec plein de petits jeux. Attention, ce n'est pas simplement un petit Karaoke Night. Voilà, c'est le prochain sub-goal. JPP. Parce qu'en fait, vous m'avez tellement réclamé de karaoke que je me suis dit, mais en fait, ils veulent vraiment que je chante. Mais... Le truc, c'est que vous allez devoir chanter avec moi, les gars. Et je rigole, zéro degré. Genre, vous allez venir sur le Discord, vous allez chanter. Croyez-moi bien. Genre, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Voilà. Ça vous plaît? Putain, j'ai content, c'est trop chou. Il est trop bien, c'est vrai? Ok, attendez, je mets le nouveau sub-goal, alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, d'ailleurs, le karaoké, c'est pas pour moi, je ne sais pas chanter. Bonne soirée. Bonne soirée. Non mais c'est bon, tu pourrais être dans le public en... J'ai un nouveau casque pour chanter méga fort, je hurle. Attendez, du coup... Pourquoi ça me dit... Merde.
Ça me dit que l'objectif n'est pas fini sur ma page. Ah, c'est bon. Donc, il est terminé. Non, merde ! Attendez ! Qu'est-ce que ça me dit, là ? Ouais ! Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ! Donc, nouveaux abonnements. Pour le karaoké, bon, là, vous avez trop défoncé ça. Vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai 6 sub goals pour le mois. Et j'en ai plus que 5. Donc, je vais mettre 50. Karaoké. OK ? Hop. Merci infiniment pour le train de la hype. Vous êtes des fous. Merci beaucoup. Merci pour le chouchou. Trop bien, hein, karaoké. Mais pas toute seule. Hein. Attention. Merci infiniment. Merci pour... C'est trop chou à dire chouchou avec vos espèces de... C'est quoi ? C'est des abeilles ? JPEB, merci beaucoup. Ma magnifique voix restera secrète. Je hurle. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah, mais non, mais on va choisir des chansons. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Des abeilles. Pierre Bachelet. Je suis mort. Merci beaucoup. Merci à vous pour tes 30 subs ce soir-là. Quelle dinguerie. Merci beaucoup. On essaie de pécho ou quoi, là ? La vida loca. tu parles des petits points de chaîne, c'est pour acheter des petites récompenses. Voilà. Et merci beaucoup, Pops. Comment tu vas, ma vida ? T'es trop chou. Hâte d'entendre vos charmantes voix, mes vies. T'as pas l'abeille alors que t'as mis des beats. Ah, ça, c'est fou. Merci beaucoup, Pops. Et coucou, Pimprenelle, comment tu vas ? Ok, on est reparti sur Daddy Ichou. Pardon, Daddy Pécho. Dream Daddy. On va trimer le Daddy ce soir, les gars. J'ouvre enfin les yeux et je m'assois. Je suis au milieu du salon. Spooning a moving box. Ok. Je baille et je m'étire. Hein. Bonjour, Manda Panda. Yax, tu sens... t'as une mauvaise haleine. Va te brosser les dents. Ok, super. Attends, mais il y a plus d'écran d'attente de chargement qu'avec... Ah, faut créer le daddy ! OMG ! OMG, OMG ! Faut créer le daddy ! Ça, c'est dingue, hein. Pourquoi Twitch, on va se battre ? Qu'est-ce qu'il a fait, Twitch ? Non, mais attendez, j'avais pas capté qu'il fallait créer le daddy, moi. Alors ça, c'est fou, hein. Mais Websplay ? Mais ça va pas bien ? Mais où ? Mais ça va pas bien, Shrek ? J'attendrai plus tard pour acheter un pyjama. Mais je t'en offre un ! Mais ça va pas bien. Ouais, non. Non, la barre est plus vide, là. J'avoue, Dripsy. Mais merci infiniment, mais wesh, mais... Laurine. Non, mais... Merci beaucoup. Merci infiniment. Non, je suis juste abasourdie par tout ce soutien, ce love, en fait, genre. Merci. Je vais manger autre chose que des pâtes, ce mois-ci, grâce à Websplay, et à vous tous. Merci infiniment, wesh. Merci, Rurka. C'est ma shape, ça, je reconnais. Pas les cheveux. Non, t'as plus de cheveux que ça. C'est ma shape, ça, je reconnais pas les cheveux. Je suis juste spécial cas, hein, c'est ça, hein, Sacha, en vrai. Hein. Merci infiniment. Hein. Merci beaucoup, vous êtes très fun. Vas-y, on fait le daron. Vous le voulez comment ? Wesh. Putain, il est Harry. Hein. Il est Harry Potter. Looking good, daddy. Alors, comment on le fait ? Vous le voulez comment ? Je vote pour beauf, daddy. Barbu, là, en vrai. Beauf, daddy. Quelle shape ? Attends. Athletic tank. Thick tank. Slim tank. Athletic binge board. Thick bin the board, slim bin the board. 16 mois, wesh, l'abonnement est plus vieux que moi.
Ouais, tu t'es autoclassé avant JPP. Mais oui, 16 mois. Tu te rends compte, Selim, c'est une dinguerie, hein. Oh, le dad bud, let's go. Fais Shrek. Mais non. Comment ça? Un petit moment très bien. C'est vrai? Mais Laurine! Merci pour TSM 221. C'est pas Vincent, mais bon. Mais tu rigoles, c'est... Merci infiniment, vous êtes... Mais non, mais 54 subs. 54 subs depuis le début du stream, là, ça fait une demi-heure. Bon, bah voilà. Moi j'y vais, hein. Mais vous êtes pas bien. Merci, Laurine. Merci à tous. Merci, Websplay. Merci, Sacha. Merci, Tourquinet. Vous êtes fous. Merci, Miri. Venez, on débloque tous les subs ce soir. Bah, ça va, Shrek. Non, mais calmez-vous. Tout va bien se passer. Je veux juste faire un daron. You are foufou. You are foufou. You are foufou. Mais rouge! Non, rouge, non. Ah, refusez. Moi, j'ai pas le droit de te faire des cadeaux, toi, tu me fais des cadeaux. C'est pas comme ça que ça marche, la vie, hein. Mais rouge, merci. Merci infiniment. Merci pour Lilou. Merci, merci. Mais vous êtes fous. Guilée. Oh, je me fais enculer. Ben, ça marche comme ça en fait. Hein. Arrêtez, je dois plus faire le 1 à la fin. Je me suis fait gronder sur YouTube. Arrêtez. Rouge, c'est avec une tête. J'avoue, Tourquinet. Chassant de mon sub, j'avoue. Les vieux bails, ça. JPP, mais merci infiniment. Laurine Rouge, il est là. Vous venez, on fait un daddy, hein. Vous le voulez comment? Thick Tank, vous le voulez? C'est ce que... Shame on him. Qui a osé te gronder pour les dénoncer? Ben, ils ont dit que c'était lourd. Et je peux comprendre, en vrai, quand t'es pas dedans, quoi. Nous, en fait, on a créé tout ce truc. Surtout, c'était sur le Let's Play Barbie, donc on a créé tout ce truc de... Ouais, salut Barbie, hein. Mais du coup, quand tu le coupes au montage... Enfin, quand ça a que ça au montage... Je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, c'est en mode « Oh, mais elle est trop chiante à parler comme ça. » Mais bon, c'est des commentaires qui font un peu mal, hein. On va pas se mentir, mais bon. Ils sont pas dans le DEL. Exactement, ils sont pas dans le DEL, donc tu leur en veux pas, mais d'un côté, tu lis le truc, t'es en mode « Ah, faut... pas nécessaire. » Non, mais après, c'est bien, il faut s'exprimer, et ça, moi, ça me permet aussi de me rendre compte aussi... c'est important, mais quand tu lis, c'est un peu en mode « Bon, bah, je suis une merde. » Ça va faire caguer en fait. Oh. Merci beaucoup de nous pour le follow, bienvenue. Moi, je trouvais ça rigolo. C'est bien, pas imprenable, ça me fait plaisir. Mais après, je peux comprendre aussi que tout le monde trouve pas ça drôle, quoi. C'est notre humour à nous. Oh. J'ai bébé. Oh. Y a pas un entre-deux, genre en forme, mais pas musclé. J'ai pas l'impression. Alors, c'est musclé, thick ou slim. Ça peut être avec un binder aussi. Un binder, un binder. Je pense que pour mes cours, que j'ai un prof qui termine ses phrases en... Je peux comprendre, Manon. Hein. Ouais. Venez... comment je peux faire? Je peux pas faire un... Tu sais, un... Si je peux, je prends un générateur et j'écris entre 1 et 6 et on voit sur quel corps ça tombe, non? Parce qu'on va jamais y arriver. Beauf daddy. Vous voulez faire beauf daddy? C'est-à-dire il y a 2 semaines, Ever? Je comprends pas, là. Le premier, histoire qu'il soit poli, qui correspond pas à toutes les normes. Hein. Celui-là, sinon... Non, BG, t'as dit OMG. Alors, BG, c'est quoi? C'est athlétique? Ce corps-là est pas mal. Celui-là? BG, t'as dit celui-là? Ça pourrait pas être pire que d'entendre une ancienne prof finir ses... Ces mots avec un F, les enfants, les parents. Quoi? Comment ça, les parents? J'ai lancé le beauf, t'as dit, j'avoue. Putain. On peut faire un beau daddy, un peu beauf, je pense. Mais les frères, je m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse le personnaliser comme ça, wesh. Comment ça, R, no R, mais...
Ah oui, R comme ça. Je vais dire, mais il a pas de cheveux là, mais pourquoi c'est coché? Non, BG, c'est pas athlétique, c'est tout. Oui, non, mais j'ai compris après ce que tu voulais dire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être athlétique pour être BG, mais j'étais en mode, mais attends, quoi? Allez, viens là, ma donzelle. Ma donzelle. Merci, Momo. Merci pour Gabu. Merci infiniment, Momo. C'est un punk. Oh, les gars, attendez, au pire. On a différentes shapes de... Mais non, mais attendez, mais c'est trop, là. Oh, là, oh my gosh, on dirait un Tchad. Là, on dirait un Tchad. J'ai pépé, wesh. Il y a trop de trucs. J'aime bien le petit visage rond comme ça, moi. Hair. On dirait charmant. Attends, j'ai pas vu... Je suis pas fan des beaufs daddy. J'ai déjà des ongles dans ma vie, j'avoue. Oh là. Oh là. Il y a des petites bouclettes, là. Oh là là. Bouclette, c'est pas mal, hein. Si je puis me permettre. Oh, la petite mèche comme ça, ting. Oh, 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 oh. Je sais pas. Et en vrai, il y a tellement de choix. Est-ce qu'il y a une moustache? Oh, c'est charmant, c'est pas un bon, hein. Attends. Pedro Pascal. Oh, Olivier. Attends, mais comment je refais Pedro Pascal? Mais j'avoue, ça serait trop bien, meuf. Oh, non. Attends, Pedro Pascal. Non, non, non. Pedro Pascal. Il me faut une photo. Il me faut une photo. Hop. Pedro Pascal. Dans Narcos. J'ai pépé. Voilà, c'est notre petite photo, notre petite référence en... Pourquoi ça demande vérification? Parce qu'il y a beauf. Ils aiment pas. J'ai pépé. Alors, ok, la petite coupe, la petite stache. Ok, ok. Non, faut pas qu'on passe 3 heures à faire un perso, mais voilà. Oh, imaginez, il y a les lunettes. Alors là, c'est bon. Voilà, là, il faut. Ok, j'ai la photo, vous inquiétez pas. Donc, les petites mèches, c'est pas trop ça. On va plutôt partir sur... Bah, ça, du coup. Oh, putain, c'est chaud. Ça, ouais, je la guess. La stache, ok, on est bon. Dis-moi qu'il y a des glasses. Oh, putain, ça le fait ou pas, ça? Waouh, c'est ça. Oh, ça me fume. En vrai, je préférais un peu celle-là, en vrai. Mais bon, vas-y. Attends, nose. Ah ouais, il a un nez droit, un peu. Oh, il a un nez comme ça, oui, 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 oui. Oh my god. Par contre, au niveau de la tête... Ouais, ouais, c'est un peu plus comme ça. On dirait mon tonton Gérard quand même. Oui, bon, c'est la stache qui fait ça, je pense. Mon tonton Gérard. C'est la stache qui fait ça, mais tranquille. Class is piercing. Pedro Pascal avec des piercings. C'est un mix de tout. Closing. Ouais, c'est une dinguerie. Attendez, mais au niveau de la couleur de peau, etc. Je sais pas si... Je pense qu'il est un peu plus... Ah, peut-être dans cette teinte-là. Ouais, peut-être un peu comme ça. Ouais. Le costard. Tu veux mettre un costard? Mais là, on dirait que c'est lui le trafiquant, pas le flic. J'ai pépé. J'aimais bien... Attends. Ça aussi, ça fait un peu narcos, en vrai. Si on veut continuer le délire. On fait Pedro Pascal, le résumé. Coucou, Chandel, comment tu vas? Regardez, là, on dirait trop Narcos. Soy el fuego que arde tout pied. Bah, alors ça, Mary, tu vois, ça va pile dans le out of context. Il va trafiquer des culs. Mais comment ça, mon ref? Qu'est-ce qu'on a oublié, là? Ah, mouth.
Oh! Attends, mais jure, il a pas un truc dans la bouche, Jean-Narcos, à chaque fois. Rends ta langue, Pedro. Par pitié qu'on puisse lui donner un prénom. C'est le tonton qui, en fin de soirée, n'a pas besoin des meilleurs vannes bof de queue alors que les gosses sont juste à côté. Oui, c'est le tonton gênant, en fait, que tu peux pas, que tu veux pas que tes enfants prennent exemple sur. Attends, elle veut rien dire la phrase, vous avez compris. Ouais, c'est ça, Mary, en fait. Hein. Oh putain, les yeux! Le regard fatigué et vide. Putain, mais en vrai, rien que pour la création du perso, je valide le jeu. Les yeux en forme de cœur. Mais ouais. J'aime bien les yeux un peu. Attends, fatigué là. Les personnes que tu valides pas, allez, on retire. Hein. On peut ? Oui, comme ça. Ok. Je regarde ce que c'est les autres trucs. Ok. Bon, bah pas de piercing alors. Les yeux fatigués sont bien. T'as vu, hein ? Le petit diams. C'est un diams. Tu sais, la communauté de Gigi, c'est des diams. Bah, c'est un diams aussi. Oh, attends, square head. Non, mais ça, c'est bon, on a choisi. Hair, c'est bon, hein. En vrai, je vois pas trop ce qui marcherait d'autre. Non. Non, non, c'est ça le mieux. Voilà, hein. Il est un peu blasé. Il a une gigi sur l'oreille. Je te jure. Oh putain, je suis mort. Ok. Pedro Pascal dans les années 70. Je te jure, mais pourquoi? Bon, ok, il vous va comme ça? Vous voulez lui mettre le body qu'on... Le body, le corps qu'on avait choisi de base, ou vous voulez lui mettre le corps qu'il a dans la série? Putain, mais il ressemble à... Il ressemble à... Comment il s'appelle l'acteur? Oh putain, il est blond. Putain, ça vous aide vachement ça. Ma petite sœur en Turquie. Il a un air de méchant quand même. J'avoue. La série, non, pour le faire jusqu'au bout. Ok. Ah, j'allais dire... non, j'allais dire... Oh putain, je retrouve plus son nom. Tu penses que si je tape acteur blond, je trouve en... Attends, faut que je retrouve un film dans lequel il jouait. Ah, t'as bien, j'ai son nom. Je me souviens. Lui, Owen Wilson. Si, 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 juré. Juré, c'est pas Owen Wilson, mais en brun. Avec une stache. Lui. Je vois pas de quoi tu parles, Brittany, y en a qu'un seul. Eh, attends, regardez bien sur cette photo. Oui, surtout dans Loki. Oui. Mais attends. Mais oui, c'est ça, t'as raison. Dans Loki. De ouf. Vecna sexy. Vecna. Ça va? Ok, on part sur sur Owen Wilson pour Loki. AKA Pedro Pascal dans Narcos. Voilà, finalement ils ne font qu'un. Ça vous va là? Ça valide? Comment ça? Ah, Quitties. Comment ça? On a tout vu là? Pourquoi la bouche, je peux la faire bleue? Mais pourquoi? Ah, les yeux, j'ai pas choisi de couleur. Des beaux yeux fer. Hein. Non, des yeux chocolat. Head, bod, eyes, nose, mouth, brows, facial hair. Putain, comment dire, un hipster? Château. Babe glasses, piercing, closing. C'est bon? Ah, je te jure, hein. C'est Owen Pascal, c'est ça? Putain, est-ce qu'on peut lui choisir un nom? Je pense pas. Si! Owen Pascal.
Ah non, c'est trop. Coucou Aurélia, comment tu vas? Did you fall asleep packing? Pourquoi je dis en anglais, je suis con. Est-ce que tu es tombée, est-ce que tu t'es endormie en train d'emballer les cartons? OMG, on déménage. Non, on emménage, je crois. J'ai presque fini, je pense. On regarde autour de la pièce. Voilà, c'est plutôt un bon job qui a été fait. Voilà, toutes les boîtes sont... Ah non, toutes les boîtes sont fermées. À part une. Donc en fait, on déménage là. Regardez le tarot. Je sais pas ce que ça veut dire, straggler. Rob, ça veut dire quoi, straggler? Non, même pas, regardez, je crâne pas, t'as vu, je demande de l'aide, Miri, boum. Coucou, Ambre, comment tu vas? Ah merde, vous voyez pas la tête avec ma tête? Bah non, mais d'accord, on m'a dit que tu préfères voir la tête du sugar que de moi, quoi. Pourquoi? À chaque fois que je quitte le jeu, ça quitte... Enfin, à chaque fois que je veux faire retour sur le logiciel, ça quitte tout, quoi. Attendez, je vais bouger ma tête, je vais me mettre un peu plus haut en... Avec le petit machin autour, comme ça. Hop. Et là, in theory... Ah, oh, putain, parfait. Je veux les deux voyants. Straggler, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si vous savez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On regarde dans la boîte et en fait, il y a plein de vieilles photos. Waouh, j'avais pas vu ces photos pendant des années. Oh, mais j'ai trop cute. Voilà, c'est des photos du bébou, quoi. Ça, c'est le bébé le plus cool que j'ai jamais vu. Hein. C'est parce que c'est toi, c'est ça? The only way your father... The only way your mother and I... Ah, ok. Je dois choisir s'il était avec une femme ou avec un homme. Hello, plus un de Capons. Comment ça va? Mais you're still a green Shrek, là. Change color. De quoi sur téléphone? Le sugar daddy, là? Il a déjà ta tête, le bébé. Straggler, retardataire. Ah, retardataire. Ok, merci. Papa, du coup. Mais c'est comme ça, la vie maritale, ever. Qu'est-ce qu'on choisit, les gars? Osef, non? Ouais, un peu Osef, hein, en vrai. And why your father and I could get you to stop crying was to put the sunglasses on you. C'est trop chou. Le seul moyen de faire qu'elle arrête de pleurer, c'était de mettre les lunettes. Et à chaque fois qu'on essayait de les enlever, elle repleurait. Enfin, tu repleurais. Tu as passé tes deux premières années de vie avec des lunettes. Ouais, bah oui, continue dans la vibe des daddy, c'est ce que j'ai fait. Cool. Bon, ça, c'est Halloween. Allez, on avance les photos. D'accord, d'accord, t'es magnifique. Magnifique, même. Un petit déguisement de dinosaure. Oh, trop chou, OMG. Ça, elle était dans sa phase chevaux. On regarde les photos, c'est sympathique. Ça, c'est sa pote Emma. Voilà. C'est sa pote Soso. Ah, merde. J'ai pas lu. Elle a fait caca pendant une soirée pige. Sorry, I was busy struggling with someone at the back of the group. You have to wait for them. Ok. Bon, j'ai ma cola. Thank you. You were busy, Tipeee. Dans sa phase, pack orange. Ça fait pas souvent. Dad was me. Ah, des dads. Oh, elle a chié pendant la soirée pige. Oh oh. Et j'avais une soirée pige avec Emma R et pas Emma P. C'est un peu nous avec les Léa, tu vois. Il y a tellement de Léa, il faut dire des initiales. Là, c'était avec les Emma, JPP. Alors, non. Owen, c'est nous. Enfin, prenez-le. Owen, c'est nous. Et on va pêcher des darons. Ouais, bah bref. C'est super, hein, ce petit... Oh, ça, c'est cute. This was the day you were born. This was the day we adopted you. Owen, c'est notre sauce ce soir. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Ah, Ah, je dois choisir. Bah, peu t'importe. Enfin, c'est pas peu t'importe. J'imagine que ça a une importance. Okay, ouais. Bon, nous, on veut juste emménager dans la nouvelle ville. Ok, donc on n'est plus avec le daron.
Come on, Pops, we're gonna finish packing. Allez, papa, on doit finir d'emballer. Le van ne va pas nous attendre pour toujours. Tu as raison. Allez, voilà. Papa. Amanda et moi, on est dans la voiture et on regarde une dernière fois la maison. Oh. Ok, c'est un daron qui pêche le daron. C'est ça, Pimprenelle. On veut juste pécho, nous, merci. C'est ça. Très intéressant d'en connaître un petit peu plus sur la famille, mais de manière un petit peu accélérée. tellement de souvenirs ici, c'est difficile de croire que ton père et moi avons acheté cette maison il y a presque 20 ans. Et je me rappelle quand on a blablabla devant la maison alors qu'on était en train... Hein ? Il y a des mots que j'ai pas, ok ? Shattered, je sais pas. The front window playing. Ah, on a cassé la fenêtre en jouant à faire du catch ? Un truc comme ça. Vous êtes trop mignons avec vos abeilles. Tu as toujours eu des bras très forts, JPP. Tu te rappelles quand j'ai cassé l'autre fenêtre en prétendant être un robot ? C'est super drôle quand même. J'espère que mon enfant ne fera pas des blagues comme ça. Ouais, c'est super, Amanda, tu casses des trucs. En effet, nous, on aimerait casser des culs. Donc, tu es prête ? We sit in silence for a moment and watching my daughter, ok. En vrai, c'est un peu ça, pourquoi ? On s'assoit dans le silence. Merci pour Irissa, rouge ! Mais rouge ? Elle est intonée avec ses sleepovers. Je suis mort. Mais merci, Rouge. Mais enfin, voyons. Merci pour Irissa. Je suis prêt. Allez, hop, ça démarre. Putain, on a les tremblements de terre quand même avec Soso. JPP. Merci beaucoup, Rouge. So, donc quoi ? Bon appétit, Quitties. Bon app. Je sais à quel point c'est important pour toi. Bon appétit, ma vie. Merci pour le lurk. Bon, alors, vends-moi un petit peu la nouvelle baraque. c'est dans un magnifique petit écrin de verdure, blablabla. Il n'y a pas écrit ça, mais c'est ce que nous, on dirait, quoi. Vous avez capté, il est en train de lui vendre la baraquée. Washer and dryer cups, a two-car garage, multiple place to sleep. Alors, ça, c'est pratique, parce que du coup, si elle chie pendant les soirées pige, enfin, tu vois, quoi, il y a plein de places pour faire des soirées pige, et voilà. Not only the wobbles, blablabla. Ok. Ça a l'air super cette maison. Emmène-nous qu'on rencontre nos nouveaux voisins. C'est trop drôle, elle l'appelle Pops, mais il y a Pops dans le chat. C'est un perturbant. Ça aurait pu être l'agent immobilier d'Olivio. J'avoue. Yeah. Ou alors le collègue de Barbie même, carrément Miri. I think it's great. Je pense que c'est super. On va être beaucoup plus proche de plein de trucs super cool auxquels on va pouvoir marcher. Donc on n'aura pas à perdre de l'essence, quoi. Enfin, à dépenser de l'essence. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Hein. Tac, tac, tac. Tu sais qu'on va se parallèle parc. On va se parallèle parc. Ok. On peut aller rencontrer des daddies. Hein. Je sais pas... C'est quoi la durée de vie de ce jeu ? Je me demande. Comment ça s'appelle ? Dream Daddy. Parce que ça se trouve, si c'est genre 20h, on va pas pécho ce soir. Même plus extra, 9h. Bon, ok. Si tu rushes, c'est 4h27. Ok. Donc, ouais, ça sera en deux streams, quoi. Les gens se gèrent, Macron, t'es chiant. Ah, c'est ça. Désolée, j'ai dû modérer le chat, ça m'a quitté le jeu. Ah. Bon, ok, elle est dans sa dernière année de lycée. Ta-ta-ta. Donc, je sais pas si on va pécho ce soir, en vrai. Je me dis que, en théorie, oui, si le jeu a une durée de vie à peu près 5 heures. Fait 2h30. Wow, je sais pas, hein. Peut-être, hein, peut-être qu'on va réussir à pécho. En tout cas, avoir un deck. Ouais, papa, tu peux démarrer la voiture. Merci. Ben ouais, moi aussi, Pop, ça me fait trop bizarre. Alors, on arrive devant la nouvelle maison. Bah, Smash, la maison, on a envie de la refaire dans les Sims. Cool. Ça vient d'être tondu. Et il y a le panneau à vendre encore dans l'allée, quoi. Rangez vos culottes, everybody. C'est la maison de Barbie, hein. C'est tout rose. Hein. Yeehaw ! Non mais ça va, je croyais que c'était fini la période chevaux. Mais là aussi ça fait des tremblements de terre, vous l'avez vu ? Swift kick. Ah ok, elle a donné un coup de pied dans le panneau for sale, à vendre. Ok, j'ai un problème avec l'autorité, d'accord. Allez tous se karaté, pitapi, pitapa.
Merci Plouf d'être passé. Je mets le live en l'heure. Merci beaucoup Tétrois Dora. Merci ma fraise. Merci beaucoup d'avoir été là. Gros bisous. Peut-être qu'elle va voler dans le jeu. On sait pas, hein. On sait pas. We need to unpack first. We need some coffee ASAP. Café. Café lover ici. Laurine, on se sait. Je vais devoir mettre mes mains sur une coupe, une tasse chaude. Ok. Je pense qu'on a passé devant un coffee shop. Peut-être qu'on pourra check. Merci Sheldon. Café. Limite envie d'un café alors qu'il est 21h. Hein. Terrible. Donc là, ouais, on retourne là-bas. Ok, ok. Très bien. Il est chou le jeu, hein. Why would I go somewhere else and drink coffee on the couch when I could just drink better coffee at home on my couch and not have eye contact with other people? Mais ça, Owen, c'est moi en fait. Owen is me. Genre, pourquoi aller au café si tu peux avoir un café chez toi dans ton canapé? Il a raison. Au moins, quand je suis à la maison, il n'y a pas un mec random qui va venir et qui va s'asseoir à côté de moi et où je me sens un petit peu bizarre parce que techniquement. Il n'est pas assis à ma table, mais en même temps, il est vraiment dans ma zone personnelle. Je hurle. Il a raison. Mmh. Putain, moi, j'évite de le café le soir, Laurine. Après, moi, je suis une vieille. Je ne peux pas dormir. Papa. Et c'est quoi l'étiquette Attends, quoi? Quand tu as un mug sale, il y a une... Ah ouais, c'est vrai. À la maison, il faut laver la vaisselle et tout. C'est vrai, elle a raison, elle a raison. Mais bon. Papa est un petit peu effrayé de rencontrer de nouvelles personnes, en effet. Et pourtant, grâce à nous, il va rencontrer tous les voisins BG Céline du coin. En commençant par celui-ci, par exemple. Donc, ça me fait penser un peu à genre, tu sais, les jeux en mode... Coral Island, etc. là. Où t'arrives dans les trucs et t'as les beaux gosses et tout. Gros café. Attends, il y a ça maintenant? Il y a accro au café en trait de caractère? Ah mais oui, c'est vrai. BG en vue. Ouais, il est smashable, hein. Franchement, franchement, franche. Hein. Bonjour, monsieur. Alors, à l'intérieur du café, c'est super chaleureux et très invitant. On peut pas dire ça, mais très... T'as envie d'y aller, quoi. Il y a des vinyles voilà, sur les murs, etc. Bref, tout ça, c'est vraiment super chouette, quoi. Oh, il y a même un petit... petite platine, etc. Ici, on a donc un fan de café et de musique. Donc, super smashable. Voilà, voilà. Ah, il s'appelle Matt. C'est un peu bête, le nom. En fait, c'est mentionné dans un poème. Et je trouvais que c'était une bonne idée à ce moment-là. Mais j'imagine que c'est toujours une bonne idée puisque le business marche toujours. Dis-nous le nom. C'est quoi le nom du café? Regardez notre daddy avec... Ça me fume. Ah oui, accueillant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. J'ai dit quoi? Invitant. Accueillant, putain. Attends, faut que je réponde un truc là, je crois que c'est à moi de parler. It's my time to shine. Non, pas du tout. So, qu'est-ce que ça serait? A scan... Ah oui, alors attends, qu'est-ce qu'on va commander? Un café noir. Un thé glacé. C'est qui Sarah? Un chai. Café noir. Oh! Il adore! A priori, il y a des cœurs. Attends, ça veut dire que ça marche comme ça? Désolée, hein, je découvre le jeu. Donc en gros, pour le séduire, il suffit de. De dire les bonnes réponses, quoi. Il suffit. Ok, ouais, c'était un petit pun. Ouais, je l'ai saisi parce que je parle très bien anglais. Pas du tout. Vous avez vu les inférieurs à 3? Allez, serre-nous notre café. Alors, qu'est-ce que tu prends, toi? Un macchiato de Marco. Ça arrive. Tu veux un petit, un moyen ou un grand? Un moyen. What is big or small? Big or small? Bah, c'est un grand petit, quoi. C'est trop cute. Mais arrêtez de parler de mug cake. Non mais c'est trop. Big. Hey.
Ska was cool once. Ska, j'avais plus des confins. Ok. Ce canapé, est plutôt confortable. Peut-être pas aussi confortable que notre canapé, j'ai loqué. Mais ça va. Il y a un bon support lombaire. Donc il est content. Ok, ça va. Le canapé est plus confortable que le nôtre. Nudge, je sais pas ce que ça veut dire. Putain, mais en fait, je suis nulle en anglais. En fait, c'est ça? Mugcake, arrêtez, j'ai envie d'un dessert maintenant. Merci Wallarine, passe une bonne nuit. Ouais, Pedro a l'air plus efficace que Soso, ouais, j'avoue. On a déjà des petits cœurs avec quelqu'un. La barre commence à être en rose. Coucou Calypsy, comment tu vas? Il y a un bon support lombaire, mais on a quel âge? Bah écoute, même moi je dirais ça, je pense à mon âge, tu sais. Tu devrais totalement devenir ami avec lui. Ami, ouais. Après, j'ai envie de voir les autres un petit peu. Bon, rebonjour. Oh, il cligne des yeux. Ah bah, elle aussi. Matt nous donne nos boissons, voilà. Et je me brûle la bouche, en fait. Je me brûle le palais. Voilà, donc là, elle est en train de lui dire « Coucou, on est dans le neighborhood, on... » Comme ma daughter's hanging around the shop. Ah, il a une fille! Il a une fille qui est à peu près de l'âge de notre fille à nous. Ça, c'est incroyable. Amanda kick my leg from under the table. Ça va, Amanda? On t'a pas éduqué comme ça? On est où là? Tu as de la glace, Matt? Je comprends, Calypsy. Donnez un petit coup de coude. Ah, ok, merci, Zurkine. En fait, on va apprendre des mots ce soir. On est un peu en mode Dora l'exploratrice. Matt va au fond de la réserve et tout ça, là, et il revient avec un plat frais qui sent super bon. Oh putain. Je travaille sur un nouveau banana bread, enfin sur une nouvelle recette de banana bread, et j'ai besoin que quelqu'un m'aide à trouver un nom. Oh my gosh! Yeah, we need to give that banana bread a test. Ouais, on a besoin de le tester pour savoir comment le... L'appli, bien sûr. I was just gonna give you free banana bread anyway. Mais arrêtez, j'aime même pas la banane, j'ai envie de manger du banana bread là. Ok, yeah. On mange un petit morceau de gâteau. L'ingrédient secret, c'est la banane. Je vous l'ai dit ou pas? C'est le mot que mon fils dit en boucle. Il met sa main comme ça, il fait nanan, nanan, pour avoir de la banane. C'est trop chou. So, any idea? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Grateful banana bread. Banana bread Kennedy's. Right said banana bread. J'ai aucun jeu de mots. Je ne saisis aucun des trois jeux de mots là. Aucun. Qu'est-ce qui vous sonne le mieux, vous hein? Parce que ça veut dire que, en fonction de la réponse qu'on donne, on va peut-être avoir des petits cœurs. Hein. Ouais, trop chou l'est-il. Grammes de beurre, margarine, 40 grammes de chocolat noir, 40 secondes au micro-ondes. Ensuite, tu ajoutes 20 grammes de sucre, 20 grammes de farine, un œuf entier et tu mets 1 minute au micro-ondes. C'est hyper facile. Alors, je m'en souviendrai pas, mais c'est hyper facile avec les 40-40-40. La 2 Grateful banana bread, ok. Oh, il a pas aimé. Ça va, Dripsy? Bah, ça va. Tu nous empêches de pécho le mec, là? What? C'est content? I say it has a nice ring to it. Ah, en fait, il aime bien? That's hot, baby. Ah oui, baby, moi. Les gars, au moins, on a vu. On a vu comment ça faisait quand c'était l'amour et pas l'amour. Au moins, on sait. Ça devient tout noir. Hein. Non, mais c'est bon, t'as le droit de nous appeler baby. T'inquiète pas, on accepte. On accepte. Ah, vous voyez pas, il y a ma tête, il y a un nouveau personnage qui arrive là. De l'autre côté, un homme attire mon regard. Il s'assoit de lui-même, enfin tout seul, il s'assoit tout seul et il demande une tasse de café. Nos yeux se croisent juste pour un moment. Un nouveau daddy. Je regarde ailleurs en espérant qu'il ne m'ait pas vu le fixer. Hein. Mais qui sait Nous finissons nos boissons et nous nous en allons.
une fois que nous avons finiché. Merci d'être venu, nous dit le propriétaire. Prends soin de toi, lui répond Owen. Maintenant que nous sommes pleins de caféine, il est temps d'aller unpacker. Voilà, c'est un autre jeu, mais c'est pas grave. J'aime pas le son baby, perso, quelle horreur. Pareil, ça va aller bien. Pas de rien, mec. I've got a lot on my plate right now. Did you know that moving is one of the biggest sources of stress for adults? C'est stressant. Les déménagements, c'est stressant. Je sais pas si c'est l'une des choses les plus stressantes de la vie d'adulte, mais enfin. Quoi d'autre? Est-ce que je sens mauvais? Mais pourquoi? Amanda, elle le renifle du coup. Non, ça va, papa. Let's go home. Non, mais les écrans de chargement, ils sont horribles par contre. Si je puis me permettre. Oui, il y a des boulangeries à la campagne, Rosa. Après, ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles campagne? Mais la maison. Ils ont le temps d'installer tout ça là? Ouais, donc on a installé plein de boîtes, les heures sont passées. Mais je comprends pas, t'as eu le temps d'installer tout ça et de mettre du bordel dessus en même temps, quoi. Ça c'est incroyable. Oh! Ding dong! Bon, les dessins sont beaux, hein. Franchement, il est beau le jeu. Dommage qu'il soit pas en français, c'est tout. Un premier visiteur, déjà. Attention, qui est là en... Je m'attendais pas à lui. Je m'attendais pas à toi. A handsome, clean-cut man stands at my door. Mon dieu. Donc ça, c'est le mec bon, chic, bon genre, tu vois. Envie d'avoir les élus pour faire du coloriage, en fait. J'avoue. Est-ce qu'il y a? Est-ce que ça existe? Je vous rappelle quand même que Goth a trouvé un livre de coloriage Is It Love, donc... OMG, Ken. OMG, c'est Ken. J'avoue. Donc ouais, lui, c'est Ken. Donc, so far, on a... Le musicien cool caféiné. On a le bad boy, je pense, à qui on a fait un rapide coup d'œil. Et on a Ken. Hello. Oh, où sont mes manières? Oh, c'est Joseph. Mon nom est Joseph. Je suis le voisin d'à côté. Eh, ils ont fait des efforts. Il y a la petite main qui bouge, etc. Ils sont l'afterchef à travers l'écran. J'ai le pépé. Oh, yes, hi, je suis Owen, c'est ça qui est mon nom. J'ai vu le moving van, blablabla, j'apporte des cookies, ma daughter Christy. Ah, mais c'est quand même funny, tous les darons sont célibes et tous les darons ont une fille, ça me fume. Il cligne des yeux, ouais, il cligne des yeux. Oh, il met ses mains comme ça. Eh, il y a des progrès par rapport à Soso. Ouais. Ok. We both share love. Ça c'est comme ça me fume quand ils disent nous rigolons. Attendez, je suis pas centrée, ça me stresse. Nous rigolâmes. Les enfants, am I right? Ah super, des cookies. Hein. C'est super de te rencontrer. Joseph lui tend le plat de cookies avec un sourire. Bah merci pour les cookies quoi. Et elle s'en va avec les cookies. Bah super, nous on voulait des cookies. Arrêtez par contre de parler de bouffe parce que je commence à avoir faim là vraiment. Amanda, reviens! Et elle est partie. Ça, c'est ma fille. Son nom, c'est Amanda. Elle est charmante. Les filles, les filles, les d'auteurs, quoi, sont difficiles. Bah, les fathers sont difficiles aussi, j'ai envie de te dire. Hein. Les fils sont difficiles, oui, les relations familiales sont difficiles, Joseph, en effet. Les enfants, en général, sont difficiles. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Yeah. Je sais pas, mais Joseph, j'ai pas confiance. Mais, so far, ça serait pas mon premier choix. Moi, pour l'instant, j'aime bien le musicien caféiné. Et je le trouve cool. But, on verra bien, hein. Peut-être que lui, au final, il s'avérera être moins con que l'autre, on sait pas. Ah, est-ce que madame est dans les alentours? Monsieur, en fait, et... non, plus maintenant, il est mort. Oh, il est mort? Je suis conne, je croyais qu'ils avaient divorcé. Ouais, c'est vrai, rouge. J'avais pas calé qu'il était mort. C'est trop triste, ouais. Je suis d'accord. T'imagines? Est-ce que votre femme est dans les parages? Non, en fait, c'était mon mari, il est mort. Je reprends mon plat de cookies, je m'en vais. Et genre, mort pour de vrai. Genre, in real life, hein, je pense.
Rip, le mari de Owen Pascal. Oh, ah, ça t'embouche un coin là. Hein. Je suis désolée pour votre perte. Enfin, mes sincères condoléances, quoi. Non, non, c'est ok. Là, c'est inconfortable. Bah, c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu awkward, ça c'est sûr. Mmh. Je suis désolée, est-ce que je peux fermer la porte très rapidement? Comment ça? Ah, ok, il est sorti dehors et là il retoque en mode on oublie ce qui s'était passé, c'est ça? Et je suis votre nouveau voisin, Joseph. Je promets de ne pas parler de votre mari mort cette fois-ci. Je viens de le faire, connard. J'organise un barbecue. Pour le cul de sac. Attends, je savais pas qu'on disait for the cul de sac. C'est encore pire, Joseph. Mais Joseph, où sont tes manières, hein, comme tu disais tout à l'heure? Mais ça va pas, Joseph? Mais enfin, Joseph. C'est le nouveau Bubble, il est. Il organise un barbecue pour the cul de sac. Ah, ça a l'air super. Ma fille et moi, on viendra. En gros. Après, 4 enfants, c'est super normal d'avoir 4 enfants. Il y a des trucs un peu chelous, mais bon. Ok, je vous verrai à 3h pétante. Enfin, 15h pétante samedi. Comment ça, pétante, mon gars? On a le droit d'arriver en retard, hein. Allez, vas-y, rentre chez toi maintenant. Et pour être sérieux, élever un enfant tout seul, c'est pas facile. Si tu as besoin de parler à propos de trucs, je suis le ministre de la jeunesse à l'église. C'est ça ou pas? Minister of Youth Minister at Church. Attends, le ministre de la jeunesse de l'église? Attends, je crois que je suis lost in translation, là, les gars. Le 5 juillet pour ton anniversaire, Miri. Oh my god. Pour faire un barbecue cul de sac, ramenez vos saucisses. Lesquelles, hein? JPP. Le ministre de la jeunesse à l'église. Mais c'est véridique ou c'est moi qui traduis mal, wesh? Ah bah, je suis ravie. Bon, bah, moi, je pars sur ça. Le ministre de la jeunesse à l'église. Bah, je me considère pas très jeune. Tu as l'air plutôt jeune pour moi. Ça te va très bien. Le clin d'œil. C'est le retour du Jarod-like. Il était bien jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Il a plus rien du Ken, là, je te jure, Alexia. C'est le pasteur pour les enfants. Ah! D'accord. Merci pour l'explication, Dripsy. C'est le pasteur pour enfants. Pasteur. Ok, merci Tourquinet. Tourquinet, trop fort en anglais, non? J'avoue, Mary. Il a rien pour plaire, elle dit, elle sonne JPP. Il a l'air gentil. Coucou, popopopopopopo, comment ça va? Ouais, j'avoue creepy. J'avoue creepy. J'avoue Valky, il est creepy. Hamza walk into the living room from the face and cookie on the hand. Il a l'air sympa, elle a des cookies partout. C'est quoi le petit dossier là en haut? Ça me turlupine. Envie de cliquer. Envie de cliquer le dossier interdit. Vous le voyez? Vous voyez ma souris au-dessus de ma tête là? Il y a un dossier là. Envie de cliquer. Ah ouais, tu vois, tu te fonds déjà bien dans le quartier. On a dit mon prénom. Ah bon? On a dit ton prénom, Calypti? En anglais, par contre. Ah, trop cool, Turquie. C'est une bonne idée, en vrai, ça. Les mots croisés en anglais. Turlupinon. C'est pas le menu pause. Tu crois, hein? Moi, je me disais... Ah, merde. Ah, putain, faut save. Ça save pas tout seul. Les gars. Moi, je croyais que ça... Genre, on aurait un espèce de dossier avec les darons. Et voir combien de cœurs on avait avec eux et tout. Ça aurait été bien, non? Où sont les cookies? Ils sont partis, je suis désolée. Ils sont dans mon bisou. Donc, t'as mangé tous les cookies? Bah, ouais. La folie mug cake du jeudi. Par contre, je vais acheter des trucs pour faire des mug cakes, hein. Moi, ça va, popopo. Ça va mieux. Ah, toi aussi, tu t'appelles Alison Calypso. Je parlais de Elle Black, en vrai, mais...
Let's get some fresh air. Joseph probably wants his plate back. Oh, attends, mais ça, c'est un moyen pour retourner voir Joseph? Non, merci. Hein. On va juste aller take some fresh air. Hein. Peut-être qu'on rencontrera un autre daddy. Hein. Parce qu'on les rencontre quand même assez vite. Hein. Si je puis me permettre. Ne rendons pas l'assiette. Non, c'est pas nécessaire. Il faut la laver d'abord. On va la mettre dans la vaisselle. Hein? On attendra demain. Coucou Cory, comment tu vas? Faut aller toucher de l'herbe un peu. Some grass over there. Oh, ça aussi en coloriage, les gars. Cette place est nice. Pardon, cette rue est jolie. Hein? Enfin, cet endroit est joli, quoi. Trop joli. Je ne fais pas confiance. T'as raison, chérie. Il faut jamais... On n'est jamais trop prudent. Tu vois ce bébé dans la poussette, là-bas? C'est une opération du gouvernement. Je hurle. Oh, on a marché pendant un petit moment et on a atterri à un parc pour enfants. Les enfants jouent. Le ciel est bleu, l'herbe est verte. C'est super. Ouch! On s'est cogné. Est-ce qu'on s'est cogné dans un daddy? Ah non, putain, un frisbee. Un frisbee dans la tronche. Ça me rappelle Rouge qui a s'est pris une chaise dans la gueule. Attends, t'as dit quoi, Valky? Je précise, c'est avec une application que je vais me croiser. Il y a plusieurs langues, c'est Cody Cross. Ah, c'est bien avec une appli comme ça. Merci pour le tuyau, Turki. Ouais, les décors sont mignons, ouais. C'est peut-être un psychopathe. Peut-être, oui. Et nous aussi, on est contentes de te retrouver, Cory. Putain, j'arrive plus à parler. Ouf. Oh, un corki. Un corki avec un petit handkerchief. I like your necktie. Did you throw this thing at my head? Hello. I like your necktie. Ruff. Oh, j'ai trop bien fait le chien. Il court en cercle et voilà, et blablabla. Bon, ça, il fait le chien, quoi. Pet the dog. Je pète. La tête. La tête, la tête. Tu aurais pu attraper ça. Mais qui nous dit ça? Comment ça tu pètes? Ah mais je pète! Je caresse! Enfin voyons, y aller. Il fait le chien. Ouais non, le chien. Oh, il est trop chou! Oh my god! Il est trop mimes! Alors un mec dans un t-shirt hawaïen nous rejoint avec un frisbee, voilà. Non mais il perd du chien. Oui oui, il perd du chien. Hein. On dirait le périphère. Non, je trouve pas, je trouve trop chou, moi. It's a new tactic, I'll catch it with my teeth next time. Bah, ça va, Shrek. Oh! Quoi? J'ai rêvé où il y avait des aubergines. J'ai rêvé où il y avait des aubergines. Je suis mort. I'm Owen and this is my daughter Amanda. Donc je suis Owen et c'est ma fille. Hein. Alors, donc on caresse le chien. Non, il caresse le chien. Cool, all Maxwell, sure love. Ah, il s'appelle Maxwell, trop chou. Et il s'appelle Brian, lui, ok. C'est nice, enfin c'est cool de voir un père et une fille ici avec un si beau... pendant un si beau jour. Pendant une si belle journée. Putain, c'est difficile. Ah, mais il se réfère à son chien en tant que quand il parle d'enfant. Ou il a vraiment un enfant qui joue au play park. Un bûcheron envoyant de ouf. Ah non, elle est là, sa fille. This is Daisy. Trop chou. Allez, les frères Karamazov. Trop chou. Ils sont trop chou. Tchuss. Le clip. Elle a quel âge? 10 ans. Oh, elle est trop chou. Mon instinct naturel de papa se pointe, quoi, en gros. Je dois me vanter de ma fille et de ses accomplissements. Quoi? C'est quoi ça? Amanda, get in there. Ok.
ok. Brag. DHTR, Fli, item. Ça veut dire quoi, DHTR? Pokémon version papa, j'avoue. Brag. Brian lose 10 HP. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, wesh? Fli, ça veut dire quitter, non? Bonne soirée, Momo! Merci beaucoup d'être passé! Ouf. Attends. Nous, on est à 55 et Brian, il est à 40. 40, pardon. On brague encore. On se vante encore. Oh, j'ai perdu 20 HP. C'est quoi DHTR? Ah, ok, c'est pour échanger les gamines. J'ai pipé mes coins. Great card. Mais attends, elle est pas beaucoup plus vieille que la petite Amanda? Pas besoin de se les mettre en compétition quand même. Did I mention Daisy said the first one at 10 months? Daddy? Pipi. Amanda was putty. Oh! Il a plus que 5. On peut. Vas-y, on brague une dernière fois. Il est cuit au chef. Voilà. On a gagné. On était un meilleur daron. Ouais, Fli, fuir, ouais. C'est un jeu fait pour les gens pourris. Je sais pas. Bon, on s'est bien vanté en tout cas, on a gagné la compétition du meilleur daron, c'est ça qui est beau. Ok. En tout cas, j'ai pas rêvé, il y avait bien des aubergines. Hein. We are meeting you guys. C'était super de vous rencontrer, ça serait bien que vous passiez faire un coucou à un moment quoi, en gros. Ouais, super, ouais, giga, ouais, carrément, super, ouais. Est-ce que t'as le sentiment qu'il essayait de nous battre, quoi, en gros? Ouais. Ok, ouais, bon, l'enfant de 10 ans est super doué, c'est ça, j'ai dit. Ok. Côté que nap, ah. Allez, ça nap. You slept for 14 hours, putain, le rêve. Oh! Dormir 14 heures. Fli, c'est aussi une puce. C'est chou! Owen, bro. Attends, mais il y a combien de daddy? Là, ça y est, je sais plus lequel choisir. Ouais, smash de ouf. Ok, je crois qu'on a un gagnant. We have a winner. Ah, donc en fait, là, on le connaît. Je me retourne et vois un visage familier. Greg? Craig? Comment tu dis? Craig. Il est hot de zinzin. Craig? Bro? Il nous brozone là. S'il vous plaît. Bro. Holy wow! J'avais pas vu Craig depuis la cinglinglin. Ça fait super longtemps, mec! Ouais, waouh, tu look super great. T'es super hot. Ah ouais, j'ai nettoyé mon acte. Bon, il s'est amélioré, quoi. Il a glow up. Coucou, Gat. Non, courage pour les papiers, c'est chiant, ça. T'as entendu l'appel du bro? Parce qu'avec... avec Lynn, vous vous appelez bro. T'as entendu le bro, t'es arrivé, JPP. Non, Craig est pas mal. Moi, j'aime bien celui d'avant aussi, ouais, Brian. Amanda, c'est mon pote Craig. On est allés à la fac ensemble. On était même colocataires pendant un moment. Amanda, mec! Tu te souviens probablement pas de moi. Tu es si grande maintenant. Hello. And hello. Bébé mignon. Trop chou.
mon nom, oui. C'est parce qu'ils disent bro, et du coup je disais que c'est comme Lynn et Got, quoi. Ouais, la petite cicatrice sur le sourcil. Oh, thank you, the last time I saw you, you were about her size. Oh, trop chou, la dernière fois qu'il a vu Amanda, elle faisait la taille du bébé. T'es babysitter ou t'es daron? Bah non, t'es... Oh, attends, quoi? Il s'appelle River, le bébé, c'est trop chou. Il prend son petit poignet et lui fait faire un petit coucou. Oh, c'est trop chou. Es-tu babysitter? Non, mec, River, c'est mon fils. Mec, ça a été si long. Mais ouais, mec, mais t'as raison, mec. Mais ouais, mec, mais t'as raison, mec. Maintenant, on est tous les deux darons. Qu'est-ce que tu deviens, mec? Je travaille en Californie et j'ai été relocalisée ici à Maple Bay. No shit, Sherlock. Amanda et moi, on vient juste d'emménager ici. Oh. Ashley is her name. Oh merde, j'ai pas vu, je crois qu'il a dit un autre nom et après il a dit je veux dire Ashley. Ashley est son nom. Oh. Ok. She suggested to go by Smashley. And we got divorced last year. Ah! Ok. Oh, mec, je suis désolée. C'est des vieilles nouvelles. It's all news. Mais voilà, on prend des tours sur. Enfin, comment on dit? Garde partagée sur River et les jumelles. Il y a des jumelles aussi? T'as trois enfants? Oui, il a trois enfants. Ashley s'est fait smash, c'est ça. Smashley. Le bébé a clairement moins d'un an. Hein. Croyez-moi, hein, je peux pas mettre mon fils d'un an comme ça et lui tenir le poignet pour qu'il fasse coucou. Hein. C'est passé ce temps-là. Hein. Après, ils ont pu divorcer, elle était enceinte aussi. Hein. Ou... Ils ont divorcé et ils se sont réconciliés sur l'oreiller, mais en fait pas réconciliés, quoi. Mais ma vie, t'as pas chômé. Ma vie, t'as pas chômé. JPP. Putain, le nombre de crushs potentiels en une journée, ça force le respect. Hein. On en parlait l'autre jour. Moi, je disais que je crushais rapidement et tout, mais alors là, vraiment, quand même, là... Ah, tu fais du... Tu cours tous les jours? Moi, je cours une fois par an, il a dit, JPP. Ouais, aussi, hein, Alison. Ça arrive, c'est hein. Honteux. Attendez, je vais save. On sait jamais, je sais pas quand ça save. Alors, Owen dit qu'il court une fois par an, le 1er janvier. Oh, JPP. Ah, il lui dit que c'est jamais trop tard pour se remettre en forme, il devrait le rejoindre. Hey. Allez, viens, on va courir ensemble et après on prendra un petit breakfast. Cool. C'est un date, hein. Moi, j'appelle ça un date. Moi, si quelqu'un me fait courir tous les matins, avant le petit-déj, c'est clairement un date. Hein. C'est clairement pour pécho, hein. J'arrive pas à croire que Greg a des gosses. I'm reeling, je sais pas ce que ça veut dire. Il décuve juste le premier. Il essaie de tenir ses résolutions, je crois. On va faire du sport ensemble. Hein. He jogs, he was jogging. He's like a totally different person. Il a tellement changé depuis les années lycée. Fac, pardon. Là, ça doit save quand on est dans des trucs comme ça. Alors, Amanda et moi... Oh merde, j'ai pas lu, j'ai cliqué, pardon. Blablabla, on fait des trucs, on déménage, on installe la maison, t'y as capté. Ok, donc Amanda va bientôt partir pour la fac, I guess. Mais elle prendra beaucoup de photos. Elle a un diplôme de photographe. Oh. Elle est comme Marianne, hein. Marianne qui n'est pas là ce soir. Yes. Donc. Ok, ok. Elle veut prendre un chien. On s'en fout un peu. Franchement, Amanda, on s'en fout un peu. Oh. C'est pas que je m'intéresse pas à la vie de ma fille, c'est juste que j'ai envie de pécho. Voilà, hein. On va dire les termes. Bah, je sais pas. Tu veux qu'elle part où? On part à la fac. Ah oui, elle a dit qu'elle était en dernière année de lycée en plus tout à l'heure, donc c'est ça. Hein. Cours devant pendant que je te mate les fesses. Bah, ça va, Shrek? Alors, t'as loupé plein de daddy potentiel ever.
genre 4, je crois. Attends, t'as vu le café ? Le mec du café ? T'as vu le Ken ou pas ? Il y a un mec qui ressemble à Ken. Il est pasteur pour enfants, en effet. J'ai aperçu en lurk. Et il y a aussi un mec au parc qui s'appelle Brian et un mec qui court. Là, le résumé, un mec qui court, un mec qui fait des joggings. Alors, on a un daddy Super Smash aussi qui fait de la musique dans un café. Je crois puis on a le voisin qui a un nouveau bubble. Ouais, il est bubble un peu. Psychopathe, les types. Et là, c'est un ancien coloc de la fac Smash. Ouais, et il y a le bûcheron hawaïen aussi, voilà, c'est ça. Le bubble, c'est le mec qui ressemble un peu à un Ken. Coucou Léala, comment tu vas ? Tu dois être tellement contente que ça soit derrière toi. Ça s'est bien passé hier. Tu dois être tellement soulagée. Ça fait plaisir de te voir là, en tout cas. Ah, tu vas sûrement le revoir, j'imagine. Parce qu'il nous a amené des cookies et on doit lui redonner son plat ou je sais pas quoi. Ok. Super. C'est super, Amanda. Merde, j'ai pas vu. C'est super, Amanda, ce qui t'arrive, ma chérie. C'est super. C'est super. Super, Amanda. J'adore. Super. Super. Super, Amanda. C'est long un peu, là, la conversation. Quelqu'un. Ah, c'est Joseph, c'est ça. J'ai du daddy à pécho. J'ai vraiment du daddy à pécho, là. Merci, bonsoir. C'est notre fille. Hein. C'est notre fille. On est un daron qui essaie de pécho des darons. Merci. On va où ? Oh, qui c'est en distance ? Jim Kims. Ok. Jim and Kims. Hein. Alors, on arrive au bar. Oh, va y avoir le mec aussi avec qui on a fait un eye contact qui a l'air un peu badass là. Alors, il commande une bière. Hein. Alors, le bartender nous donne une bière bien fraîche. Mmh, c'est bon ça. Alors, tu es Jim ou tu es Kim ? Je suis Neil. On peut avoir un petit visuel de Neil, s'il vous plaît ? Non, on peut pas ? D'accord. Bonjour, madame. Hein. A middle-aged woman. Mais comment ça, middle-aged ? Elle est toute jeune. Hein. C'est la femme de Ken, non ? Ça fait très bien. Ouais, j'avoue. J'aime trop les bars comme ça, on devrait en faire un dans les Sims. Agro, c'est ça. Elle est trop belle. Mais moi, je pense que c'est la femme... Ouais, c'est pas un daddy à pécho, apparemment. Ah, c'est pour ça. Mais elle non plus, je pense pas qu'elle soit à pécho aussi. Oh, hello. Ah. Ça fait plaisir de voir de la viande fraîche ici, je suis Marie. Tu viens souvent ici ? Non, en fait, je viens juste d'aménager. Je suis Owen. Are you watching the game ? Est-ce que tu regardes le game ? Mon équipe préférée est en top, là. Donc j'espère que... Enfin, s'ils continuent, ils vont gagner le jeu très facilement. Ah, j'adore cette team. Mais laquelle ? On n'a pas dit de nom. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu... pompette. Merci Ellie pour le follow, bienvenue. Ça c'est un peu du rentre-dedans. Ouais. Buy Mario drink, don't buy Mario drink. Je crois qu'elle est assez pompette, non ? Peut-être une autre fois ? Comme tu veux. Sailor. Sailor c'est quoi ? C'est marin ? Non ? Ce regard. Ok, elle s'en allait du coup. Peut-être une prochaine fois, Marie, mais tu es déjà assez pompette. Go, team. Putain, c'est lui. On dirait... Dans The Walking Dead. Ah, Moussaillon, ouais, Moussaillon. Marin, ouais. Franchement, elle me croise... À mon avis, elle fait au terme Alison, voyons. Negan, oui, un peu, hein. Tu kiffes le game hein. Oui, maintenant que nous gagnons. Ah, on doit être pour des équipes différentes. Différentes. Un peu, il y a un truc à Negan, non ? Il fait flipper, Negan, là. Bah, Negan, il fait flipper aussi dans la vraie vie. Il fait crado, genre sale. Genre, il sent pas bon.
Genre, tu passes à côté de lui, t'es un peu en mode... Tu vois ? Joël dans The Last of Us, il n'y avait pas de pandémie. J'y pep. Joël, il sent bon dans ma tête, hein, quand même. On voit qu'il n'a pas bu que de l'eau. Je te jure. Pas du tout envie de pécho, lui. Hein. Pas du tout. Alors, lui et Ken, pour l'instant, ils sont en bas de l'échelle. Hein. À mon avis, mon équipe est supérieure. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Voilà, tout simplement. Battons-nous. On s'entend pas. On s'entend pas. Il me fait peur, perso. Il sent le tabac froid. C'est exactement ce l'odeur que je pensais, le tabac froid, ouais. Ouais, 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 ouais. Il s'appelle Robert, tu rigoles. Eh bien, pour une fois, je ne smash pas Robert, ok? J'ai fait paix. Il sent la clope à 10 km, c'est trop ça. On va lui trouver un autre nom, hein, si vous permettez. Hein. Robert, what are you doing? Robert, si on se sépare, voilà, c'est ça. Ça arrive, il puera la clope à 10 km. Le destin, ouais, non, non, non. Non, non, on va pas choper ce Robert-là. Je vous le dis, hein. C'est pas plus sain de capointe, ça, non. J'y peux pas. Ça me fume. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un Jim ou une Kim qui gère cet endroit? Sorry, Rob, mais non, tu m'as joué. Hey. Ben, ça va, Rob, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, that would be Neil. Hey. Good guy, Neil. Not enough Neil in the world. C'est un mec bien, Neil. Il n'y a pas assez de Neil dans le monde. Ok, Robert. Tu es un whisky fait là. Genre, t'es un fan de whisky ou un fan de bière? Bière. Mais je bois des fois d'autres trucs. Tu aimes les shots? Attends. Parce que... C'est brave, il y en a trop. J'avoue, Valkyrie. Là, réfléchissons stratégiquement. On ne veut pas qu'il nous apprécie. Ça peut vous faire un costume de couple, Capins en Wen et Rob en Robert. J'ai pépé. Attends. J'aime pas les shots, on est d'accord. Parce que du coup, il nous en propose un. Ça veut dire que lui, il aime. Attends, I like, I love. Ou shot fired, I don't like them. Ok. Eh bien, ça va être un problème. Bah non, ça va pas être un problème, mon gars, parce qu'on va pas parler, ok? T'es rayé de la liste des potentiels... Peace to your health. Merci. Ah, mais on boit quand même un shot, là? On sera haters, pas problème, c'est ça. On ne smash pas, puis du bec. Puis du bec. C'est New Bubble, j'avoue. Après, il y a le pasteur pour enfants aussi. Pas fan. Dans un autre genre. Faut le complimenter. Oh, sa grand-mère. C'est pas vrai. Complimenter, c'est son look. Mais jamais de la vie. Complimenter son tatouage sur la main. Complimenter sa veste de queer. Hein. Option 4. Quand il a des araignées qui sortent de lui, c'est qu'il nous aime pas. Des araignées, ouais, c'est ça. Sinon, c'est des petits cœurs. Et tout à l'heure, j'ai répondu un truc au pif. J'ai eu des aubergines autour du Sims. Donc, voilà. La veste, c'est le moins personnel, je dirais. Ouais, je pense aussi. Et en vrai, c'est vrai qu'elle est cool, sa veste. J'aime bien, premier dog. Il s'en bat les couilles, il n'y a pas eu de réaction. Merci, elle a été dans ma famille pendant un long moment et on l'a jamais lavé de père en fils. Ça fait 50 ans qu'elle pue le tabac froid. C'est un régal. Si pépé. Mystérieux et cool. Un peu sale aussi, mais ça. Robert, what are you doing here tonight? C'est des psychopathes. L'odeur. Mais il a pas dit ça, c'est moi qui le dis, les gars. C'est moi qui... Il n'a pas dit ça. C'est moi qui dis qu'il a jamais lavé de père en fils. Il m'a fait, j'ai inventé. Qu'est-ce que tu fais ici ce soir? J'essaie de me faire des amis. Ma fille m'a foutu à la porte. Je fuis mes problèmes. Oh putain, merde! Il a liké.
J'aime ton style. Je reviens. Je vais me repoudrer le nez. Mais c'est qu'il est drôle, dis donc. Il veut être bresson. Un peu, hein. En fait, c'est un peu le Mike dans Is It Love. Imo. Un peu moins, un peu plus crade. Je n'ai jamais vu Robert aussi bavard. Ah, c'est un point commun avec mon Robert. C'est que mon Robert, il parle pas non plus. Ben, c'était sûr. Ben, c'était sûr, en fait. Hein. Europe nous kiffe. Ouais. Non, 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 tu dois pas admettre que Rob a un petit peu de charme. Non, non. Rob revient et il attrape sa veste de queer. Je vais rentrer à la maison. Tu me montres le chemin ? Il y a un double sens de lecture, MS. Là, là ? Tu veux dire maintenant ? Ah, putain, repoudrer le nez ! Ah, putain ! Putain, je suis tellement... Je suis tellement pure et innocente, les gars. J'ai cru que c'était une blague. Moi, je reviens, je vais me repoudrer le nez. Putain, je suis tellement innocente, les gars. Je suis pépée, je l'ai pas vue. Merci, merci d'ouvrir mes chakras. La gênance. Là, on peut répondre non. Merde, j'ai quitté le jeu. J'ai rage quit carrément. Robert n'a aucun charme. Vous faites trop rien. I live in this cul de sac. Mais comment ça, mon ref, I live in this cul de sac. Mais tout le monde vit ici, en fait. Moi aussi, je vis ici. Mais dis pas où t'habites, dis pas, donne pas ton adresse. Bon voisin, ok, ok. We get to Robert House. Non. Quoi? Qu'est-ce que tu fais chez Robert? Je ne... Kiss and tell. I don't kiss and tell. Ok, y a pas de traduction pour ça, on dit pas ça en français, nous. J'embrasse pas et je dis pas, les gars. C'est pas bon, c'est bébou, j'avoue. Allez, vine de cul de sac. Moi aussi, je savais pas du tout qu'on disait cul de sac en anglais aussi. Hey. Do you wanna come inside or not? In this cul de sac. Non mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, blush, non, blush pas. Valky a écrit, sa vie en dépend. Non. Oh, d'accord, Léa, elle a passé une bonne soirée. Gros bisous, passe une bonne nuit, ma vie. No thanks. Vous voulez un petit sondage ou vous êtes tous unanimes? Smile and nod. En vrai, ça fait jamais de mal de tirer son coup. Non, on veut pas te connaître plus, Robert. Non? Allez, non. Vous allez plus à dire non. Non, je vais plutôt rentrer à la maison. On se capte plus tard. Sûr. Saving. Ok, ça save. Faudrait surtout pas perdre notre progression. C'est pépé. Donc on rentre à la maison. Avec la tête un petit peu whoop-whoop à cause du whisky, quoi. Ouais, ok. Il a même pas enlevé ses chaussures. D'accord, super. Ça vibre. On a reçu un texto. C'est Craig. Rise and Jar. Oh putain, Craig, tu peux nous inviter chez toi, toi, par contre, non? Il est 6h du sbar. Il est 6h du sbar. Putain, arrête, j'essaie de parler. Attends, on va courir maintenant, là? Eh putain, par contre, ça s'enchaîne. Hein. On n'est pas chez Soso, là, je vous le dis. Hein. God bless you. Go back to sleep, go to the gym. Alors là, mon gars, on se bouge le fiac. Oui, mon mec. Yes, my man. J'arrive dans... Je me réveille et j'arrive dans 20 minutes. Ça marche, on se voit à la salle de sport. Attends, j'accepte ton message, Alison, parce que... Il veut aller nous faire courir, le salaud. Écoute, on va faire un petit peu de sport avec Craig. J'accepte. Alors, le voisinage est silencieux et serein parce qu'il est super tôt et putain, on a envie de pioncer. Les oiseaux chantent, l'herbe est mouillée, voilà, voilà quoi. C'est super, c'est fantastique. Et le beau gosse est là et il n'a pas le bébé cette fois-ci. Ça aurait été un peu moins pratique pour courir, I guess. Eh ben oui, on veut pécho, on y va, hein, c'est comme ça, hein. On se bouge le fiac. Hein.
Coucou mec, bon matin, bonjour, ça fait plaisir de te voir. J'aurais dû prendre un café avant de partir. Comment ça t'as pas pris de café avant de partir? T'es prêt à kicker des culs? Avec ton aide, oui. Des petits cœurs? Pas de petits cœurs? Ah, super. Ah si, il y a des petits cœurs, des petits cœurs. C'est lui que t'avais pas vu avoir. Plutôt mignon. Il faut sachez qu'il a 3 enfants. Hein. Un bébé et des jumeaux. Jumeaux-jumelles, on sait pas. Tu lui as pas fait de tenue de sport. J'avoue, il va courir en costard crevette. Il est parti sans café, Laurine. Non mais ça, couldn't be us. Couldn't be us. Bah là, c'est le but du jeu, en vrai, Chandelle. Le but du jeu, c'est un dating simulateur. Donc là, on doit pécho. C'est... Pour gagner, il faut pécho. On arrive à la salle de sport et je suis immédiatement intimidée, en fait. Toutes ces personnes pourraient me casser en deux. Et Greg et Craig est ami avec tous ces gens. Mais Craig, c'est bizarre. J'arrive pas. The high five and figure guns. Oh, c'est le cool kid. Un vrai daddy. Ah, ça va, Shrek? Allez, on s'échauffe. Échauffons-nous. Voilà, échauffe-toi devant moi, je te regarde. C'est quoi de treadmill là? C'est des trucs pour courir, non? Je sais plus ce que c'est en anglais. On se marre. Allez, vas-y, on fait du sport. Putain, le changement de daddy, à chaque fois tu rencontres un mec totalement éméché qui fait de la coke dans les shots du bar. Et le lendemain, tu vas au sport avec un mec super musclé et tout. Training to crush people's skull with this tight, using a medieval torture device, bring to some sort of pain. God. Hein? Oh man. T'as pas aimé ma blague? Oh. Ah shit. Il a pas aimé la blague, non. J'ai une vague de réflexion pas ouf là, heureusement que j'ai le bon sens de savoir me taire parfois. Tapis de course, ok, c'est ça, tapis de course, merci. Nice. I love learning, I try to live my life as close as Jimmy Buffett song as possible. Check out my hot pod. Qu'est-ce qu'il va apprécier? Bah, il est sportif, donc il va aimer qu'on prenne soin de notre corps. Ah, voilà. Coucou Nawa, comment tu vas? Comment tu vas? Mm-hmm. Oh god, we're jogging now. Allez, ça court. Tu te rappelles quand mon poisson est mort à la fac? Non, j'aime pas cette histoire. Mais attends, mais c'est pas parce que lui il va plus vite que toi tu dois aller plus vite, tu vas pas y arriver, tu vas faire un malaise, Owen. Owen, nice. Owen, stop, Owen. C'est bras. Ça va, Manawa, ça va. Lui aussi, il a des bras inférieurs à 3, hey. Je te jure, hein. C'est comme dans Soso, les t-shirts sont trop petits. Hey. Voilà, mais putain, mais on va tomber en malaise, hey. Hein. Mec, ça va? Mais non, ça va pas. Ah ouais, on s'est cassé la gueule. Je suis au top de ma forme, quoi. J'arrive à me redresser et je me masse un peu le dos. Ça fait pas mal maintenant, mais ça fera mal plus tard, ça c'est sûr. Il faut que tu connaisses tes limites, il nous dit. Mais on voulait t'impressionner, Craig. On voulait t'impressionner. Attends, il nous a acheté un shaker. Il nous a acheté un shaker. C'est un protein shake. Bro. Oh boy, here goes. Attends que... Alors il prend une petite gorgée et en fait c'est super bon. Waouh, c'est super bon. Et c'est très bon pour ta santé. C'est ma recette spéciale. Je suis super fière de ça. Ok. Good one. Attends, c'est tout? On va pas pécho? Il a investi dans notre relation. Non mais... En plus, il essaie de nous aider à progresser, quoi. Il nous a acheté un shaker et il nous drague. Je suis d'accord. Shake me, bro. J'y. Alors, on rentre à la maison et on s'allonge sur le lit, normal. Oh god, I'm so old. Mais non, t'es pas vieux. T'as juste pas l'habitude, Owen. Tout va bien. Oh non, je dois m'être endormie. Mais pourquoi il y a toujours les tremblements de terre comme ça dans tous les jeux?
Pourquoi tu me proutes, toi ? Cette spéciale, à quoi dans ce shaker ? Des bonnes choses vertes, a priori. Du déodorant, ok, ok. Ah. Je sais pas, j'avais envie. Ah, super. Bah, c'est super, ça. Ah, bah, je suis ravie. Bravo pour la caméra. Apprends-nous, Craig. C'est à vous, Craig, apprends-nous. Oh ! Nouvel endroit. Ah, on va chercher Amanda à l'école. Putain, on va rencontrer un daron à l'école. Le prof peut-être, Monsieur Vega. Ok. Donc ça, c'est un gamin. Monsieur qui ? Vega, je sais pas. Est-ce que t'as essayé la sortie ? Ils sont drôles, les adolescents. Vraiment, on adore. Oh. El professor. Comment ça ? Prout, c'est ma flûte. Mais non, mais il a mis prout après, à la fin. Mais non, pas un ado. Mais enfin, Alison, qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, le prof. Voyons. Oui, on est drôle, en effet. Oui, on est trop loin. C'est ça, ouais. Vous êtes vachement drôle. Ah, monsieur Vega. Ok, je suis 10 minutes en retard. Vous devez être Owen. La récré est presque finie. Ça vous dérange d'attendre dans le fond ? Non. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, franchement, c'est ce que j'allais dire, hein. On smash. Comment il s'appelle, Monsieur Vega ? Ah. Hugo. Bonjour, Hugo Vega. Alors, attendez, classement. Attendez, Tom Selleck. Ouais ! De ouf, Cory. Attendez, je suis sûre que sur Internet, on peut trouver un espèce de... Daddy from Dream Daddy. Je sais pas si on les a tous vus, là. Mais... Ah non, a priori, on les a pas encore tous rencontrés. Il y a un petit... On se spoil un peu, c'est pas grave. C'est juste pour se rappeler qui est qui. Vas-y, allez, cherche pas l'image. Alors, so far, lui, celui tout à gauche, passe. Lui, il a un vampire là et qu'on l'a pas encore rencontré. Lui, smash. La stache. Tier list de ouf. Passe. Smash. 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 J'ai pédé. So far, le vampire, on peut pas juger. Le sportif ou le prof ? Le premier et le quatrième, je les smash avec plaisir. Attends, le premier en partant de quel sens, Nawa ? Le premier en partant de la gauche ? Alors moi, attends, vas-y, je fais un... Alors, un... Non, un... Non, un... Je sais pas. Un, deux... 3, 4. Ouais, je pense que c'est ça l'ordre. Number 1 dans mon cœur. Ok. Envie de les refaire dans les Sims. Oh, par pitié, faisons ça. Par pitié. Ouais, je pense que c'est un vampire, mais on l'a pas encore rencontré. Hein. Enfin, c'est un vampire. Là. Mais ils ont tous des styles supra différents. Bon, lui, on était déjà à deux doigts de le ken. C'est une dinguerie. J'imagine qu'il y en a qui sont plus difficiles à péchoter que d'autres. Celui avec le t-shirt violet. Ouais ! Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié. Matt ! Merci beaucoup, Nanou ! 5 mois, OMG ! Merci beaucoup. Mardi, on fait ça, non ? Allez, ça part rouge, t'as raison. À part le dernier, le reste, c'est poubelle, pas des os. Mais comment ça, mon ref ? Pas du tout ! Alors déjà, argument. Lui, il a des petites fossettes. Lui, c'est un musicien. Bon, lui, c'est un pasteur pour enfants. Lui, il nous a acheté un shaker. Et lui, bon, il fait de la coke dans les toilettes. Donc voilà. Craig. Ouais, je pense. Je pense qu'on est un peu tous d'accord que, so far, le numéro 1, c'est Craig. Craig. Franche. Craig pour une nuit, Hugo pour la vie. Mais comment ça, mon ref ? Non ! Ouais. Mais lui, il est mignon, lui. Je l'aime bien, moi. Le mec à droite. Mais nous aussi, on a une chemise comme ça, à hawaïenne. Le Ken du milieu est méga super creepy. Ouais, non, celui-là, non. Celui-là, on va l'éviter comme la peste. On va certainement pas aller à l'église. Tu sais qui ? Homelander, un peu, ouais. Mais c'est peut-être pour ça que je lui fais pas confiance. Il est chelou. Putain. Trop bien, The Boys. On vit le...
envie de le revoir. T'as regardé Gen V ou pas? Ah oui, t'avais regardé, je crois que t'avais pas trop aimé, non? Ça me dit un truc, ça. Non, tiède. Ah, t'as pas regardé, ok, je confonds. Mais regarde, franchement, regarde. Ouais, mais moi, en fait, j'ai envie de choisir ni entre le pasteur, ni entre le drogué. Joseph Joe Goldberg. Tu vois, confondre de bestie. Ok, c'était juste pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Mais, en gros, ça veut dire qu'il nous reste un daddy à rencontrer. D'accord. Donc ça, c'est le professeur Hugo. Hugo. Ni l'un ni l'autre. Ouais, de ouf, ni l'un ni l'autre. Si j'avais un couteau sous la gorge pour choisir, bon, peut-être, mais... je suis pas sûre. Hein. Ouais, un peu Tom Selleck, hein, j'avoue. Hein. C'est la stache. Hein. Forcément, il est dans le top 3, il a une stache. Comme nous. J'adore comment je passe tous les dialogues, ça me fume. Je veux juste que vous vous péchotez. T'avais vu notre perso ou pas, Selim? À qui te fait penser? JPP. Elon, il est Elon? Oh putain. Elon, stop Eloné. C'est pas possible, ça. Bisous, Quitties, merci pour le lurk. Bisous, bisous. Ouais, Hugo Magnum. Petite cut. Ouais, c'est nous là. On lit pas. Oh. Tu sais, c'est comme les mecs sur Twitter, pas lu. Oh. Please call me Hugo. Mais comment ça, mon ref? On est là pour parler de mon enfant. On n'est pas là pour se draguer, enfin voyons. Amanda n'a jamais été la plus engagée des étudiantes, enfin des élèves. Mais je sais qu'elle s'intéresse à... Il y a un problème avec Amanda. Mais attends, on vient pas d'arriver en ville? Comment ça se fait qu'il connaît déjà tout son dossier scolaire, là? On vient de déménager, frère. C'est très difficile de changer de maison. Mon mari est mort. Voilà. C'est peut-être ça qu'on aurait dû dire plutôt qu'on a déménagé, non? La moustache, c'est toi si tu veux, mais c'est pas moi. Mais c'est... Pourquoi? Ça te va pas, la moustache? Trop long, pas lu. C'est ça, trop long, pas lu. Hugo, tu peux quand même me draguer si tu veux. Hugo, je vais mettre mes enfants dans ton école. Où enseignes-tu, Hugo? Oh! On a eu des petits cœurs. Moi, je dis, ils auraient dû faire ici un truc où, en fait, on voit à peu près combien de cœurs on a avec tout le monde. Voilà. Improve the game, comme ça. Et mettez-le en français aussi. Ils ont changé de maison, pas de ville. Ah, ils ont changé que de ville, que de maison. Putain, parce que comme ils rencontrent des nouveaux gens... Ah ouais, c'est parce qu'ils sont dans un nouveau quartier. C'est ça. Ça va, Amanda? On a bitché avec le prof sur ta tronche. Hein. Est-ce qu'on peut aller attraper à manger? Let's go to the mall food court. Oh, on va aller dans un magasin. Brilliant. Attends, mais... Il veut aller au mall. Il veut aller au centre commercial. Et elle dit, tu peux m'acheter un truc? Des trucs? Il dit un truc seulement. Non, mais comment ça, mon ref? Oh, Twitter. Twitter, ça n'existe plus, les gars. C'est X, en fait. Il faut mettre le jeu à jour. Voilà. On va croiser Bubble. Lequel, du coup? Parce que là... Ou alors, on va croiser le mec qu'on n'a pas encore rencontré. Bon, on s'en fout, hein. J'adore ma fille, hein, mais ça va pas m'aider à pécho, donc... C'est qui, Noah? C'est un pote? Est-ce que tu aimes Noah? Non, Dad! Non! Ah, Dad! Mène-toi ton fiac, Dad. C'est mon ami. Ok? Purée. Ok, on arrive au mall. Putain, il y a son père. Il y a absolument personne. Hein. Dis-moi qu'il va y avoir un mec, là. Moi, j'ai faim, mais... De mec, en fait. De daddy. Donc, le pasteur. Vous pensez qu'on va rencontrer le pasteur, là? Il y a moyen, hein. Ok, très intéressant ces conversations père-fille. Hein.
Peut-être que si c'était en français, je lirais, mais comme je sais que c'est pas hyper pertinent. Oh, il va lui acheter des fringues. What? Pourquoi on dirait le clown dans Simpsons? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Je hurle, je vois que c'est un crâne avec des ailes et en même temps, je pense à Krusty. Même le lycée des Sims est plus peuplé. Et c'est pour dire, hein. C'est dire, vraiment. Allez, vas-y, prends-toi une fringue. Voilà, voilà. Yes. Pourquoi il fait un speech? Ah. Ok, ok. Super, très intéressant ton speech, papa, merci. The Bounty Shot, look at Ironic Mug. Le band t-shirt, le band t-shirt, ça c'est pas mal. C'est le crâne de Krusty. Y'a moyen, hein? Je pense. Oh! Regarde, c'est très important pour moi. Le vampire like! Mm-hmm. Gosh, I can't see that. I don't know what to tell you, dude. I just work here. Ok. Ah! Écoute, j'ai acheté ça en ligne. Sur le site internet. Et cette blouse devait être Victorian inspired. Mais cependant, lorsque je l'ai reçue, ce n'était clairement pas le cas, c'était Edwardian dressage. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même époque. Si tu veux un coupon, je te fais un coupon, mec. Est-ce qu'il y a un manager? Putain, c'est une Karen. C'est une Karen. Est-ce qu'il y a un manager présent ici? Je suis le manager. D'accord. JPP. Whatever, dude. Vous n'avez pas de bonnes manières, monsieur. Hmm. Ah, voilà, on a rencontré tous les daddies. Par contre, on ne sait pas comment ils s'appellent. Il va être insupportable. Ouais. Oh. Ok. Alors, on est rentré à la maison, il fait nuit, je sens que Ken va venir toquer à la porte. Je le sens. Je ne sais comment vous expliquer, je le sens. Il s'appelle Go Away. Ouais, tu cliques dessus, tu cliques sur Go Away, j'avoue. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, il regarde une série. Je suis sûre que l'autre, il va venir toquer. Hein. Il s'appelle Damian, ok. Pourquoi on n'est pas assis dans le canapé pour regarder la télé? Si c'est que le son, c'est pas intéressant, alors, Valérie. réveille-toi, Sleepyhead. Encore 5 minutes. Non, mais t'as déjà dit ça hier et avant-hier et avant-hier, Owen. Lève-toi. Oh, pardon. Ok. Alors, tu es excité pour le cookout? Putain, c'est le jour du barbecue! C'est le jour du barbecue dans le cul-de-sac! Tu viens de créer une tier list? Oh putain, à la fin du jeu, on la fera. À moins que vous voulez la faire maintenant. Mais en vrai, faut trop la faire. T'as fait une tier list avec les photos et tout? Incre. Après, on les connaît peut-être pas assez, non? Merci, l'utile. Vas-y, venez, on la fait. Venez, on la fait. Ever, partage le lien. Ever partage. À la fin de la soirée? Ok, on joue encore un petit peu après. Je l'ai mis en public. Tu l'as appelé comment? If they're food, I'm excited. Comme ça, on les connaît mieux. Ouais. Après, je pense pas qu'on va avoir fini le jeu aujourd'hui, du coup, parce que c'est entre 5 et 9 heures. Ça dépend comment tu joues. Mais nous, on joue lentement, donc je pense que c'est 7 heures, donc je pense pas qu'on le finira aujourd'hui. Dream Daddy Characters. Attends. C'est ce que j'allais dire, Rouge. Attends, on peut la faire là, et après on voit si en fonction de ce qui s'est passé, ça nous a donné envie de modifier la liste. Tier list. Dream Daddy Character. Caractère, characters. Attends, c'est ça la liste? C'est toi qui as fait cette liste-là? Mais attends, mais il y a d'autres gens qu'on n'a jamais vus. Merci Yelenoun pour le lurk. Non, c'est pas celle-là. Putain, mais là, il y a... Comment ça Ah non, mais c'est pas Smash. Ok, je vais dire, comment ça, les twins? C'est les enfants de... Oh my god.
Faut l'acte du die for you, il y a des chiens. Ça me fume. Attends, Ah, c'est là, peut-être. C'est pas celle-là non plus que t'as fait, je pense. C'est celle-là que t'as fait ? J'ai mis le lien. Ah, merci, ma vie. C'est ça. Alors, grosse match, ACBG, pour un soir, t'es qui ? Bah, ça va pas, Shrek. Vous me fumez. Après, il y a des chiens, ouais. JPP. Alors. Putain, par contre, c'est qui ? C'est Brian, ça ? On peut pas ouvrir les photos en plus grand. Brian, moi, je l'aime bien. Je vais mettre ACBG, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est qui ? C'est le mec avec le bébé. Lui, grosse smash. Hein. Je crois qu'on est tous d'abord. C'est Greg. Le vampire, bah, ça va pas, Shrek, so far. Parce qu'en plus, il est pas gentil avec le personnel qui travaille là. Non, mais t'inquiète, c'est cool, Ever, en vrai, avec les descriptions. Peut-être que je les, pour la prochaine fois, je les mettrai sur l'écran en même temps, les descriptions. ça, c'est le prof. Ken, bah, ça va, Shrek. Lui, en vrai, le musicien, je sais pas trop, hein. Pour l'instant, j'ai 3, bah ça va, Shrek. C'est quoi, vous, votre classement ? Grosse match, le Brian. En vrai, tu mettrais dans grosse match ? Je me tâte. J'hésitais entre 1, 2 et tout à l'heure. Le prof, ok. Le musicien. Lui, au pire, je le mets dans Teki. Je sais pas. C'est chaud, hein ? Ouais, on verra l'évolution, je pense. Shrek. Ben, ça va pas, Shrek ? Ça me fume. Moi, le Café Man, je l'aime bien, j'avoue. Ouais. Faut voir si on le revoit et tout. C'est difficile, so far. En tout cas, il n'y a pas trop de doute pour Craig. Donc, je pense qu'on va essayer de vraiment miser sur le pécho, lui. Merci pour la tier list, Ever. Sauf Hugo et le bûcheron, j'ai inversé. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai que Hugo est pas mal aussi. J'aurais fait pareil. MS ! MS ! Bonne nuit, Sheldon ! Merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. Dors bien. Ok. Hop. Merde. Ken et Dracula. C'est Damian. Ok. Ouais. On verra si ça change, mais j'ai des doutes quand même. Oh ! Ça empêche de coloriage. Maintenant, on voit le monde à travers nos coloriages, JPP. Il mérite. Toi, t'as vraiment crashy crash pour Hugo. De fou. Les CRC, je pense pareil. Il dit, Hugo, c'est soir, faut qu'on parle. Tu vas passer ta nuit à boire. Pour chaque décor de ce jeu. Non mais je te jure, hein, en page de coloriage, c'est incroyable ça. Bon, sans Joseph du coup. Welcome, I'm so glad you two are here. Et on a apporté des légumes. Laissez-moi vous présenter à ma famille. Les enfants, venez là. On a Chris qui fait la gueule. Il fait la gueule, Bubble. Ça c'est Christian et Christy. C'est des jumeaux. Ok. Et à la criche. Oh, Marie ! Je le savais, les gars, je l'avais call. Je vous l'avais pas call ? Que Marie, c'était la femme de Ken ? Je vous l'avais dit. Ils s'appellent tous Chris quelque chose. Un peu cliché, ouais. My lovely wife. Hey. Mary ! Alors, le couple nous a tous les deux dragués, en fait. On fait comment ? Joseph et Marie, j'avoue. Vas-y, c'est revenu, Nebo, Owen et Nistoto. Mais je sais, t'inquiète pas, elle sait, Marie, elle nous a dragués dans le bar. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah, nice to meet you, Marie, pour la première fois, MDR. Charmed. Comme la série.
have to go over there now. Mm-hmm. Oh mon Dieu, c'est tellement gênant. Je ne sais pas si Joseph sait. Je ne sais pas si Marie sait que Joseph sait. Je ne sais pas si Joseph sait que Marie sait que je sais. Ça y est. J'ai vraiment bien traduit. C'est exactement ça. Là, il faut sortir du barbecue cul-de-sac. Hein. Là, je te le dis, le barbecue cul-de-sac, c'est vraiment une entourloupe. Allez, viens, papa, fais-toi des nouveaux amis. Peut-être que Craig va se ramener le fiac, non? Je ne fous plus en rire. J'y vais. Oh, pardon, il y a le barista. Bonjour, Matt. Oh putain, mais. Il y a tout le monde? Il y a littéralement tout le monde? But wait a second! Toutes ces personnes vivent dans notre cul-de-sac? Alors, on peut parler à Robert et Brian, on peut parler à Matt, Hugo et Greg, on peut parler à Joseph et Damian. On peut juste aller bouffer. Sachant qu'on n'aime pas Joseph et Damian, donc déjà on parlera pas à eux deux. Ils veulent tous visiter notre cul-de-sac. Robert, on l'aime pas. On aime bien Brian par contre. Donc j'imagine qu'on parle à Matt, Hugo et Craig qui sont tous les trois des personnes qu'on apprécie. Ouais, c'est ça, Jus, hein, on est d'accord. Sacré cul-de-sac. Vous me faites trop rire. Burger, tu veux les burgers rouges, merde. Matt et Hugo seems to be embroiled. Non mais regardez-moi la brochette. Au barbecue, on bouffe de la brochette. Voilà. De quoi on peut parler? Talk to Greg, listen in on Matt and Hugo. On va parler à Craig. Parce que c'est un peu notre petit chouchou, si je puis me permettre. Le petit River. Envie d'appeler un enfant River dans les Sims, c'est trop chou comme surnom. Enfin, comme prénom. C'est trop trop chou. Ce trio. Non mais là, vraiment... Là, c'est la chaleur, hein. J'avoue... Ça s'est cassé, ça a changé de côté. J'avoue, Pimprunel. C'est vrai. Le bébé est trop chou. Oh. Hey. Le bébé est trop mignon, hein, Nanou. Oh. Ah, s'il te vomit dessus, c'est pas grave, tu peux enlever ton t-shirt, hein, Craig, t'inquiète. The new place is perfect. Elle est super, cette nouvelle maison. J'adore le cul de sac. je me rappelle, blablabla. Nice. Bla bla. Ok, ok. C'est super, tout le monde est super amical. Le bébé est trop choupi, oui. Matt nous dit, ta fille a l'air de se fondre dans la masse. C'est parfait. Hey. Oh, il est trop chou, MC. Oh, il lui a fait une petite couronne de fleurs. Hey. Oh, trop chou. Trop chou. Carmen Cita. Ça, c'est la fille de Brian. Trop mime, ouais. Bah alors, Ever. C'est super, tu te fais des copains. C'est génial. Nous aussi, on se fait des copains, t'inquiète. Putain, le cul-de-sac, il est quand même bien rempli. Hein. Oh, sweet Manchego, huh? Ernest. Ah. Mais c'est qui Ernest? Ah ok, c'est juste quelqu'un qu'on voit. Oh, reviens Craig! Putain, j'ai rien compris avec Ernest. C'est qui Ernest? T'as vu, elle est trop mimes. Bah je vous ai à peu près même âge, je pense, en plus ever. J'ai jamais vu un cul aussi rempli. Cul de sac. Ah, son fils, ouais. Il avait une clope au bec. Le barbecue, ouais, ok. I don't know. Ah, si t'as raison, c'est son fils. J-Bep. Ernest. On a rencontré les enfants de tout le monde, là. Oh là là, on devient intime. Hein. C'est super de te rencontrer, Ernest. Tu es en quelle classe? Est-ce que c'est important? Ernest, ok, je suis en 8e grade. Ça ne veut absolument rien dire pour moi.
On peut avoir l'adresse du cul-de-sac, je te jure. Ça ne veut absolument pas rien dire pour nous, 8th grade. T'as 10 ans, t'as 8 ans, t'as 15 ans, je ne sais pas. Oh. Il est fatigué des vieux gars, chez Pep. Le barbecue de cul de sac, c'est qu'il y a du fiac ici. C'est la quatrième. C'est la quatrième, ok. Oh, Ernest, t'es pas super nice, mais bon, Ever, c'est ce que c'est. Elle est en quatrième aussi. À première ou terminale, putain, vous dites pas du tout pareil. Après, là, on peut pas pécho si vous êtes tous là. Hein. Putain, la brochette, frère. Par contre, c'est... Ah, Amanda, elle a 18 ans. Vous voyez, vous disiez qu'elle était super jeune. Amanda, tu penses que je suis cool, hein? Elle s'est mise à rire. Ok, c'est super. Oh non. Ok, ouais, alors on parle de notre job de parents. C'est super intéressant. Qui se met à poil maintenant? Alors, parlez à Robert et Brian, parlez à Joseph et Damien. Burger time, burger time. Hein. Non, casse-toi, toi. J'ai dit que je voulais pas te parler. Il me fait trop flipper. Il me fait trop flipper. Ça va pas bien la tête. Ouais, t'inquiète, il l'avait pas pour courir, Mary, ni à la salle de sport. Oh. You probably didn't know this, Owen, but Joseph knows I run here for his grillmanship. Ah ouais. Hey. Yeah. Ok. Oh my gosh, mais qu'est-ce que c'est que ce cul-de-sac? Hey. Qu'est-ce que c'est que ce cul-de-sac, les gars, vraiment? Il y a trop de trucs. Nice. Barbecue, quoi? Oh. Ça, c'est la brochette du vomito, ouais. C'est crazy d'avoir autant de papas célibataires dans le cul-de-sac. Ça, je vous le fais pas dire, hein. Merci de l'avoir remarqué. Oh. C'est rigolo, c'est l'ironie du jeu un peu. Oh là là, c'est fou, hein. Le reste du barbecue s'est passé tranquillement. Rien à raconter de ouf. Les enfants ont joué, on a bu des bières. Enfin, c'était la grosse teuf, quoi. Ah, c'était le chapitre 1. On a terminé le chapitre 1, là. Il y a combien de chapitres? Attends. Attends, je save. Combien il y a de chapitres? Non, les gars. How many chapter in Dream Daddy? Merde, je trouve pas. C'est pas écrit. Je sais pas. Je me demande trop. 5? Putain, les gars, on va y passer 10 ans sur ce jeu. Je croyais qu'il serait beaucoup plus rapide. Ah non, c'est une question. Ah, je sais pas. Je trouve pas. Wesh. C'est qui ce personnage? Smash, en fait. Merde, vous la voyez pas? Val, elle s'appelle. Tapez Val Dream Daddy, là, sur Internet, vous allez voir. Attendez, je vais vous le taper là. Val. Val. Madame, bonjour. Déjà bonjour. Déjà bonjour. C'est la femme du drogué. Ah, tu penses? I don't think so, hein. C'est la femme du drogué. Ah, ah oui, remarque, j'avoue, ils sont ensemble. Ah, c'est sa fille! C'est sa fille! C'est sa fille! Dream Daddy, Robert Daughter.
le fan art. Oh my gosh, mais ce jeu a plein de fan art, c'est incroyable. On va se régaler. D'un côté, je suis un peu en mode ah, mais je croyais que c'était un jeu court. Et d'un autre côté, je suis contente en fait qu'il soit long. Parce que vraiment, Robert Best Ending. Putain, mais en plus, on peut avoir plein de. Oh, ah, c'est ça du coup que t'avais mis Ever. Ah non, mais attends, je me spoil là si je regarde ça, non? Donc, il aime parler de vin et de fromage. Il aime embrasser dans des galeries d'art. Il aime l'odeur des livres. C'est des indices, ça, pour nous aider à pécho. Il y a un problème avec la génétique. J'ai pépé. La description des persos. Ah, c'était les descriptions, je croyais que c'est... Mais like, les likes et tout, ça... Il aime les couteaux cool. Se lever à 3h de l'après-midi. Il aime pas le small talk. Oh, JPP. Bon, est-ce que vous kiffez le jeu, en vrai? J'ai l'impression que oui. J'avais un peu peur que le fait que ce soit en anglais, ce soit un peu problématique. Mais en vrai, ça passe crème, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il aime, lui? Ok, qu'est-ce qu'il aime pas? Lost Soul Shaker, ok. Il aime les corquilles. Bah, comme tout le monde, hein. J'ai kiffé. Vous aimez trop? J'ai le banger de fou. Ah, je suis trop contente. Du coup, vous voulez faire ça la semaine prochaine? On continue un peu. Je sais pas si on pourra le finir. Ce serait trop chouette en vrai, mais je sais pas du tout. En tout cas, ça bouge bien. Ça bouge bien. On a plein de crushs potentiels. On sait qu'on va pouvoir les pécho rapidement et tout. Ça fait plaisir. Brian Harding. Jure, c'est son nom. Jure, c'est son nom. Mats Mela. Rob Small. Brian Harding. Mais non! Ça change de Soso. Ouais, non, je suis d'accord. Ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir Soso là. Ça fait du bien de faire autre chose. Alors lui, c'est Fitness Dad. Cool Youth Minister Dad. Rival Dad. Ghost Dad. Bad Dad. Cool Dad. Ok. Teacher Dad. Ok. Chips. Vous me faites trop rire. Bon, bah, on va créer des daddies dans les Sims, hein. Je vous le dis. Parce que vraiment, là, faut que nos Sims puissent les smasher, quoi. Faut vivre par procuration. J'y pépé. Les gars, on va s'arrêter là, du coup, vu qu'on a terminé le... Ah, ma merde, il y a encore le truc du sub-goal. Vu qu'on a terminé le premier chapitre. Merci à tous d'avoir suivi ce petit stream soirée pige. J'espère que ça vous a plu. Et merci, évidemment, un grand merci... Pour ce stream de folie et votre générosité, genre ouais c'est trop. Pourquoi il n'y a plus de chat du coup? Allez super. Vraiment, quand ça veut pas, ça veut pas. Je l'ai masqué le chat? Wesh, reviens. Je sais que t'étais en blanc et que c'était pas très lisible, mais là t'es plus du tout lisible quoi. Ça donne des idées pour les sisterhood. J'avoue, participer sur le hashtag Ken pour Capanz, hein. Oui, j'ai mis ma petite culotte, t'en penses quoi Cory? Ah, je suis contente si ça vous a plu. Merci à vous d'avoir suivi ce stream. Merci beaucoup pour ce petit moment ensemble. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Merci évidemment pour votre soutien, votre générosité. Et j'ai qu'une hâte, c'est vous retrouver dès demain après-midi où on va encore pécho. JPP. Ouais, c'est ça, Cory. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez participer indéfiniment, Nanou. Enfin, indéfiniment. Évidemment, quand je publierai le dernier épisode, ça sera trop tard après. Mais en soi, je les rajoute toutes les semaines dans la galerie, donc il n'y a pas de souci, Nanou. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour tout. Demain, quelle heure? Midi. Demain midi, Ever. Merci à vous, merci beaucoup. Prenez soin de vous, dormez bien. Bisous, à demain.